Ouais, c'est bon. Oui, paf, paf. Je suis à 47. Bah, j'espère que ça va pas le refaire. Ah, de toute façon, Twitch, ils ont inventé, on dirait des ingénieurs. Ils ont fait une nouvelle fonctionnalité super bien là, de quand tu te déco, ça coupe pas ton live pendant 90 secondes. Non. Bah, la vie de ma mère, qui sont trop forts en fait. Je pense que je devrais pas être le seul à avoir ce genre de problème. Si ton stream, tu t'en fous, toi t'es pas concerné, mais si ton stream déco, t'as 90 secondes, tu peux cocher une option qui fait que pendant 90 secondes t'es encore en live. Mais c'est un délire parce que c'est trop bien. Parce que même par exemple, si tu dois changer un réglage de ton live, ce qui m'arrive souvent. Exactement. Ce qui, c'est le truc, il parlait pas des déconnexions, il parlait des gens. Si vous devez changer un truc et tout, machin, c'est fini de relancer son live. Ah, c'est trop bien, comme ça les gens ils sont pas en mode what the fuck. Et ouais, c'est fini le hey, F5 ah, ou c'est oh, bizarre. Ou alors notification. Et moi ça me change la vie, parce que moi qui ai 50 milliards de déco à chaque fois. Ah, j'aime ça. Ce qui fait qu'Orange peut rester des incompétences, ça a pu me pénaliser. C'est bon, restez comme vous êtes. Je l'ai pas encore expérimenté, mais enfin, il me semble que ça marche. C'est un truc à cocher en mode bêta, tu vois. Ah, c'est ouf, faut que je check. En vrai, c'est vachement bien. C'est trop bien. C'est bizarre, j'avais jamais pensé à cette solution. J'avais jamais pensé que c'était faisable, alors qu'en fait, c'est évident que c'est hyper faisable. J'avais pas jamais pensé au fait de me dire, il pourrait le faire. Du coup, c'est très malin de leur part. C'est bien Twitch. En fait, non, je pense juste qu'ils écoutent les retours des gens comme devraient le faire la plupart des boîtes et qu'ils ne le font pas tous. Comme YouTube. Putain, YouTube il est pire. Mais vraiment. YouTube ça marche pas trop. YouTube, je sais pas qui gère YouTube. Ils ont des œillères YouTube. Mais ils sont complètement cons. Il y a encore des gens qui demandent la cam. C'est un truc. C'est un délire. Bonjour! On s'appelle Thomas et Damien. Attention, moi c'est Link. Hein. Bon, ça va être trop compliqué. Hein. Quand je vois que ça fait des années et que je vois encore des gens en commentaire dire ah, trop marrant ce passage avec Link ou ce passage avec Terra et que quand je clique, c'est pas du tout toi ou moi, en fait, c'est qu'ils inversent les deux. Mec, je me demande vraiment. En fait, faudrait trop faire un sondage, mais. Ah putain, ce serait marrant. Genre, je parle, et je dis. Qui parle là, si vous pensez que c'est l'un qui parle, tapez 1 ou 2. Si les gens pouvaient répondre sans troll, vraiment 0 troll. Ouais, sans troll, c'est trop intéressant pour de voir. De savoir à quel point il y a des gens, ils écoutent nos vidéos, mais ils savent pas du tout qui est qui, parce qu'en fait, ils peuvent pas le savoir en vrai. Pour le savoir, il faudrait tomber sur une vidéo ERL et voir quand on s'appelle l'un l'autre par nos pseudos. Ou qu'on s'appelle par nos pseudos tout court. Parce qu'en vrai, t'écoutes une vidéo, ouais, tu peux pas savoir. Des fois. Tu te dis, hey Terra ou hey Link, tu vois, c'est genre. Du coup, c'est marrant. Ce que je me dis, il y en a, ils doivent vivre dans le mensonge pendant des semaines, des mois. Ça doit être un peu bizarre dans leur tête, tu vois. Genre, ils doivent être un peu perdus quand même. Et t'imagines le jour de la révélation, quand ils se rendent compte enfin que pendant tout ce temps-là, ils avaient inversé qui était qui. Ça va être horrible. Le nom de la session. Alors, c'est un jeu pour les gens intelligents et nous, on est extrêmement intelligents. Je vais mettre les surdoués. Voilà. Et surdoué. C'est bien. Ça sera le nom du. Sachez qu'on va avoir absolument aucun problème à jouer à ce jeu. Hein. C'est... Il est simple apparemment. Agree and proceed. Ouais. Ok, c'est bon, j'ai le jeu, je crois. J'ai entendu dire que c'était un jeu un peu pour les débiles. Même, donc ouais, bah, on va c'est pas bon. Avoir trop de mal. Bah, je pense que je vais faire join game et j'ai le droit de choisir la map puisque tu vas parler de trois maps alléchantes. Donc, alors regarde, fais new game et dis-moi, j'en ai choisi une. Ah, j'ai déjà lancé parce que je pense que je pense que je sais déjà. dis donc Thomas. Tu me connais si bien alors. J'ai un petit doute mais j'ai choisi la première. Parce qu'elle est bien verte avec des petites touches de bleu. Elle est verdoyante, le ciel est bien beau. Ouais. Putain, par contre, j'ai espéré que la météo ne change pas. Ah oui, ah, y a pas de pluie. Ok, je vais être déjà en français. Alors j'ai lancé une session et là je suis dans un vaisseau et. T'as vu déjà en français? Ouais. Eh ben tu le sais. Oh! Par contre, la meuf parle en anglais. Y'a un mode arachnophobe! Oui, y'a un mode arachnophobe, c'est un délire. Je me demande par quoi il les remplace. Ah oui, c'est vrai qu'ils le remplacent forcément, ils peuvent pas faire disparaître des ennemis qui t'attaquent. Mais c'est trop bien qu'ils aient fait ça, en vrai.
Bon, sache que la meuf me parle en anglais et j'écoute pas du tout du coup parce que j'entends pas. Mais ok. Attends. Il faut construire et explorer pour trouver des ressources. Jusque là. De toute façon, j'écouterai moi aussi. Automatiser nos usines. Je peux pas te rejoindre, ça me met un petit verrou avec un point d'exclamation. Je dois être sur ton pseudo. Je dois être parce que je suis dans l'intro, j'imagine. Ok. Je crois que c'est bon, je vais atterrir. L'intro est stylée. Ah bah super. J'espère que tu l'auras parce qu'elle est vraiment super. Oh ouais, j'atterris, oh, c'est grave stylé. Franchement, si tu, ah, vois, putain, si tu non, la vois pas. Putain, ça va me faire popper à côté de toi, je le sens. Elle est trop bien, mec. Et du coup, je peux te rejoindre à un moment donné. Attends, j'ai pas encore atterri. Je suis là, c'est SpaceX. On est en mode SpaceX. On atterrit. On atterrit tout droit. Voilà. Je vois la Terre. Je suis à terre. J'enlève ma ceinture. Merci de me commenter tout ce qui se passe parce que je le verrai pas. Au cas où. J'ouvre les deux manettes. J'ai l'impression que je suis devenu aveugle et que tu me guides avec la main en me disant tout ce qu'il y a autour de toi. Alors là, j'ouvre la porte. Oh mec, non mais en plus t'aurais trop kiffé. Non mais faut que tu, au pire faut que tu lances une partie à un moment parce que c'est le genre de truc, je sais que t'aurais eu un orgasme, tu sais. Est-ce que quelqu'un sait si quand je vais le rejoindre j'aurai la même chose ou pas? Parce que si jamais genre, je pop à côté, genre tu sors ton vaisseau et tu vois une belle planète magnifique. T'auras pas MDR, t'as pas l'intro. Bon, bah, la vie de ma mère que je lance une intro. Lance-toi une intro, je vais écouter le tuto. Ouais. Start game. Lance, vas-y. Congratulations. Sinon tu seras pas dans l'ambiance. Attends, ça aurait loupé un truc magnifique, j'aurais bien ça. Je vais t'attendre pour le tuto du coup. Ouais, je regarde juste là, je suis dans l'espace. Will be repurposed to construct a habitat and utility base from now on referred to as the hub. Note: Fixit Incorporated is cost effective and efficient. We do not waste. Ah mais il a l'air abouti le jeu. J'ai l'impression qu'on n'a pas affaire à une alpha dégueulasse. Ah c'est ça a l'air pas mal hein. Genre on n'est pas sur comment il s'appelait ce jeu là qui a fait un genre de flop. No Man's Sky. Bah il y a un petit côté No Man's Sky mais tu vois dès que tu descends, ah, c'est joli en fait. Putain No Man's Sky c'était quelque chose hein. Enfin c'est joli, bon là vous voyez les feuilles, bon ok, il y a encore du taf mais. Il y a une ambiance, il y a une bonne ambiance. Attendez les bugs. Ouais, non, j'imagine que c'est pas, il y a pas de miracle hein, mais. Ouais, mais si le jeu est jouable et joli, même s'il y a des bugs, je suis prêt à lui pardonner. Après, si c'est des bugs qui t'empêchent de jouer, ça c'est chiant. Ah, ça c'est grave. Oh putain, je crois que je rentre dans l'atmosphère. Je suis pas gros de planète, parce que si je rentre sur une planète volcanique dégueulasse avec pas d'eau et un ciel rouge. L'effet sera pas là. Ça me fout le seum. Je ramasse des feuilles et du bois en attendant. Oh, et même des baies. This consumable possesses minor healing properties. Further analysis required to establish objects. Putain, bah, tu vois, ça me donne quand même pas envie d'aller dans l'espace parce que je serais claustrophobe de savoir que je suis dans une petite cabine au milieu du néant. Ouais, moi j'ai pas spécialement envie d'aller dans l'espace non plus. Il y a peut-être des gens dont c'est le rêve, moi c'est pas. Non. Alors après, tu vois, encore une fois, si je pouvais claquer des doigts et me téléporter dans un vaisseau, ok. Ouais. Mais toute la démarche de. Non, ça me fait. Ouais, oh, attends, c'est verdoyant. T'as vu? Attends. J'enlève ma ceinture de sécurité. C'est la sortie qui est lourde. Oh, c'est. Waouh, oh, c'est trop bien. Il y a une espèce de grand oiseau qui vole dans le ciel. Oh la vache, comment c'est beau! C'est trop bien en vrai. Et là, moi dans le ciel, j'ai un énorme. Oh, j'ai une,
Moi, c'est une remanta, moi, dans le Ouais, ciel. avec des oiseaux qui la suivent, enfin bref. Ouais, oh, Magnifique, c'est. quoi. Oh, c'est magnifique! Quand tu Oh, regardes j'arrête là. la... Attends, je te rejoins. Quand tu regardes Regarde pour quitter l'horizon, le c'est beau aussi, il y a des détails. menu principal. Genre là, Je vais arriver. regardez, elle est C'est belle. incroyable. Elle est Véritable baie belle. des bois, putain. Il y a des baies des bois. Hein. Rejoindre une partie. Ah, c'est bon. Ah, on peut jouer jusqu'à 4. Ok. Accès à une session. Oh, bah non, t'es pas très privé dans ta session, toi. C'est que pour les amis. J'ai pas toujours mes Ok, j'y suis. 60 fps, mais bon, ça. Ah, c'est. Veuillez démanteler la capsule de largage. Les matériaux ainsi obtenus seront réutilisés pour Ah. construire une base de vraie nécessité. Attends, mais Les je te vois opérants pas par désormais. contre. C'est normal? Je vais venir à la maison. Peut-être que tu dois y être. Parce que moi, Parce j'ai que. spawn nulle part. Il n'y a pas de map, c'est normal. Ouais, parce que je te vois, mais ouais, t'es plus loin quoi. Bah attends, je vais démanteler ma capsule déjà. Démanteler ta capsule, c'est F. Mais j'ai pas de capsule là où j'ai spawn au milieu de rien. Ah, et t'as pas de Et mon capsule toi. je pense que mon symbole maison, c'est ta capsule. Ah, ok, je t'attends alors. Je me fais attaquer. Je sais pas s'ils veulent jouer ou s'ils veulent m'attaquer. Ah! Non, ils veulent pas jouer! Ah, je cours. J'ai hâte d'explorer ça alors. Oh là, oh là, oui. Ils ont grogné en me regardant là. J'approche Ah, pas. je te crois que je te vois là. Ah, c'est toi qui te fais poursuivre par des putains de facochères? Aïe! Oh oui, c'est pas des. Mais rien à voir avec des Je sais pas, de loin je facochères! vois pas. Eh, par contre, les amène pas vers moi. Tellement! On en fait quoi là? On va se Bah, faire je. tuer. Tire dessus! Mais j'ai rien. Attends, je vais les Ah! démanteler. Et moi, Non, je ça viens marche pas pas. de. Putain, mais comment on les sème? Le chat, faut aller vite là. Dites-nous vite. Moi, j'ai pas d'armes, j'ai Donc, rien, faut vite nous j'ai que donner mes une mains. solution. Appuie sur F pour passer en mode démantèlement. Ah si, on va démanteler la capsule. Attends. Hop, ça m'a donné une pièce de hub. Alors, deuxième objectif, veuillez vous équiper de votre repousse Xenos. Ah oui, bah c'est ça qu'il nous faut, je pense. Ah, c'est des Xenos? Oui, bah repousse-les. Dis-moi comment on fait le jeu. Aïe, aïe, j'ai trop mal. Oui, on doit disposer de Oui, défense contre les menaces repousse extraterrestres. Xenos. Je Tab, veux l'équiper. drag and drop. On drag and drop le. Tu Ah, mets. c'est bon, j'ai mon repousse Xenos. Un coup de taser, attends. Ah ouais, tiens. Viens là, toi. Tiens, viens, connard. Paf! Oh putain, c'est du capeur maintenant, hein? Paf! Paf, casse-toi! Allez! Oh. Oh non, c'est trop triste, on l'a tué, on l'a pas juste repoussé. Ouais, on a pris sa carapace. Ouais, bon, en même temps, ils nous ont bien cassé les couilles quand même. Hein. Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. I recommend analysis. Ah, là-bas, il y a des ressources. Comment on analyse? Alors, maintenez C pour Appuie sur rechercher C. des gisements de ressources. Là-bas, il y en a. Ok. Ah, j'ai plus beaucoup de vie déjà. En fait, notre but, c'est d'arriver sur une planète vierge avec une nature qui a fait son travail et de l'exploiter au maximum. C'est de se faire masse de thunes. Exactement, yes. De tout défoncer, putain. Tu vois, on a commencé là, genre on tue les animaux et tout. Et maintenant, on exploite les ressources. Alors, comment tu. Tu tapes avec quoi là? Je maintiens E. Ah oui. Tac, Par tac, contre, tac. on est dans le futur et j'ai juste un petit appareil comme ça pour récolter. Ouais, ça me paraît très manuel. Oh! Repousse Oh! Xenos! Connard! Ah, saloperie. Mais bon. Alors, press Q to open the build menu and select the hub. Alors, où est-ce qu'on va s'installer? C'est ça qui est. Je vais en prendre un peu plus, j'en veux plein. Bah écoute, j'en Ça, c'est prends, hein. quoi? C'est le minerai de fer aussi. Ah, celui-là, il est pur. Ah, bah L'autre? un pronom du pur. Oh non, bah voilà. Ah voilà, il est bien pur celui-là. Moi, je prends du vin pur, fais chier. Ta 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 ta. Le rythme est satisfaisant. Ta ta ta. Ouais, mais Alors, c'est très long de faire ça à la main. où est-ce qu'on va? Oh, t'inquiète pas, on va gagner masse d'argent et après on va tout détruire en un claquement de doigts. On serait pas mal ici là. Viens voir. Je vois un endroit très joli. Ouais, je sais, je sais. Oh, regarde le gros truc derrière toi.
Oh putain, on dirait une mythe. Il est C'est beau. une tique. Non, on dirait une tique sur C'est patte qui est un peu gonflée à cause du temps. dégueulasse. Ouais, elle est bien gonflée, quoi. Un peu dégueu. Regarde ici, je voyais un grand plateau. Mais après, c'est pas forcément le plus joli, quoi. Mais c'est bien plat. C'est vrai, mais c'est Faudrait vrai que qu'on... c'est bien plat. Ce serait pas mal de le faire à côté d'un point d'eau, non? Quand même, je sais pas. C'est l'origine de la vie. Ah ouais, c'est d'après ce qu'on dit, hein. Bah ouais, mais il y a de l'eau, moi. Oui, je Le suppose. chat, est-ce qu'il vaut mieux qu'on soit près d'un point d'eau quand même? Est-ce Ou que est-ce vous qu'on avez s'en une branle? idée où installer notre campement? Genre, où est-ce que c'est un pur move? Peut-être qu'on s'en branle, j'en sais rien. Oh, c'est trop bien ça. Osef? C'est mieux un terrain plat, ça sert à rien, ok. Bon. Bon, du coup là, c'était pas Eh mal, ben, je on va pense. retourner là-bas. Nous établirons notre domaine ici. Il y a du fer. Ah, j'ai plus beaucoup de vie. Non, c'est pas du fer ça. Non, c'est un caillou. C'est un juste un caillou. Alors, le hub. Wow! Oh, c'est grand! Ah ouais, c'est ok. Là, on va Bon. pouvoir l'agrandir, donc Attends, parce que j'ai du mal à m'en rendre compte. Compte. ah non. Putain, j'aime bien comment il tourne autour. Je m'arrêterai jamais! Je m'arrêterai jamais! Aïe. Parce que Ah, c'est du grand, jambon. du coup je me rends pas compte. Ah, ici il y a des trucs qui puent, faut faire gaffe. Ah, écoute, on va aller. Non, mais Oula. là c'est bien, hein. Ouais, c'est bien, vas-y. Hub. On va le faire ici. Voilà. Alors. Configurer l'établi, Congratulations, configurer le you terminal have hub. unlocked hub feature manual craft Je vais bench. attendre qu'elle me parle Hub pour comprendre. feature, hub terminal. Fifth objective, hub upgrade, storage and power. Note, the craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. Améliorer le hub en utilisant le terminal du hub. Ok. Choisir le palier. Palier 0, amélioration hub 1. Choisir un jalon. Choisir un plan dans la liste. Fonderie. Ligne électrique, foreuse portable, je sais pas de quoi, je sais pas ce que je veux. Bon, écoute, je suis en train de faire des lingots de fer. Je sais pas à quoi ils vont nous servir encore, mais Ah, bon. mais j'ai rien à choisir en fait, c'est les récompenses, je suis un débile. Ok, donc avec tout ça, avec cette amélioration là, on aura tout ça. Ok. En attente des ressources, il nous faut du coup 10 tiges de fer. Eh ben, je peux les faire là. Ouais. Je te fais. Vite. Hop, c'est bon, j'en ai 10. Vas-y, tu prends le Je vais palier faire. 0 et tu peux améliorer. Hop, améliorer le hub. Ouais. Ça a de la gueule Oh, déjà. wow. Je me sens un peu à découvert quand même dans cette maison. Ça manque de murs un peu, hein. Faudra faire des murs à un moment Ouais, peut-être. il Je sais fallait pas. penser. Hub feature, personal storage. Scanner feature, copper. Boîte de stockage individuelle. Oh, ça, je Ouais. connais, hein, ça, c'est comme Minecraft. Ça, c'est des coffres, ça. Sixième objectif, construction. Ok. Note, connect buildings to a generator for power. Raccorder vos bâtiments à un Note, générateur. buildings such as the smelter require a blueprint to be set. Advice: automate the smelting process and use portable miners for Il optimal faut results. des plaques de des plaques de fer, des tiges de fer et des fils électriques. Ok. Alors, scanner des ressources, minerai de cuivre. Pour faire de l'électricité, on va avoir besoin de cuivre. Ah, tout n'est pas traduit, ça c'est. Ah, il est loin le cuivre, sa mère. Vide d'un équipement workshop. Craft portable même. Attendez, comment on crée un équipement workshop? Atelier d'équipement. Et comment on crée du fil électrique surtout? Bah, je sais pas encore. Ça, j'ai déployé les ressources, mais il manque le fil électrique, mais je sais pas comment on le crée. Alors, 6 plaques de fer, 6 Ah, si, tiges de là. fer. Plan trop coûteux? Comment ça, plan trop coûteux?
Ah, il faut des lingots de cuivre. Ah, mec, faut qu'on trouve du cuivre. Bah, go chercher du cuivre alors. Attends, c'est quoi les trucs pour scanner déjà? C'est. Cuivre. Du coup, minerai de cuivre. 380 mètres. 274 là-bas. Ouais, go. Contrôle, Shift, R, ça fait quoi? Oh! Oh non! Ah, c'est bon, putain, ça fait quoi? Ah. T'avais ça l'air. Bah, ça me. C'est comme si je mourais. T'avais l'air juste mort, quoi. Oh, il va se prendre du calcaire! Du calcaire! Bah, j'ai envie d'en prendre un peu. Je prends un peu de calcaire. Impur. Ça c'est quoi? Ça c'est rien. Faut réussir à remonter par ici. Ah, des noix de béryl, c'est comestible ça? Ne me chargez pas. Ok. C'est bon. T'as le cuivre? Moi? Je sais pas, je vois plus le cuivre. Non, il faut monter pour avoir le cuivre. Oh merde. Et donc, je cherche un passage en fait pour réussir à monter, mais j'ai l'impression que. Il y a deux putains de bêtes qui sont en train de me charger, les bâtards. Ouais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ramasser électrominance verte. Ah bah oui. Mais pourquoi pas? Mais qu'est-ce que ça veut ça? This semi-slug seems to emit weak potential energy from its crystalline shell. Further analysis of crystals required to determine application. Wow. Wow. Si seulement je savais comment on mange. Dans l'équipement, peut-être mettre. Ah, faut se le mettre dans la main. Ouais. Hop là. Ok, ça redonne de la vie. Putain, par contre, ouais, du coup, faut monter. Pouah. Ouais, j'essaie de. Vraiment de trouver un moyen de monter, mais. C'est très chiant tout le long. Oh, non, ma vie! Oh putain, ça va. Ah ouais. Ah ouais, en effet. Ouais. Ah oui. Oh, je suis tombé sur une meute. J'arrive. Je suis pas loin. Je crois que je les ai calmés. J'ai enfin trouvé un moyen de monter. Bon alors, ce putain de cuivre là, on peut passer. C'est bon, j'ai réussi à monter. Oh putain, mais le nombre d'animaux hostiles là. Attends, mais bon de Dieu, je suis paumé là. Serait-il pas que je suis paumé? Ouais, mais il y a une grosse bête là, elle va me défoncer. Je vois le cuivre. Par contre. Ça a l'air méchant, ça. Oups. Je ne vois pas pour l'instant. Mercer's Fair. Mais c'est pas vrai qu'il est de l'autre côté, le cuivre, maintenant? Ouais, faut traverser le pont. Oh putain, c'est bon, je peux le traverser. Il y a une grosse bête. Je t'attends. Initial scans reveal an inner vein-like structure filled with liquid gallium. Purpose and origin unknown. Yagoi! Oh là! Il m'a tapé dans le cul, ça m'a retiré deux barres de vie. Oh ya non! Tiens, salope! Oh putain! Con de merde! Plus, sur le pont, c'est vraiment pas. Ah. On va détruire ta planète de merde! Toutes tes ressources! T'as tu rien bien ta nature! Ah, t'as rien vu, toi encore! Paf! Vive le capitalisme! Putain, il s'en foutait de ma gueule, il s'est retourné d'un coup.
Ouais, vous, on a plus peur de vous là, les petits. Putain, va falloir construire des petits bazookas là pour tous les exploser là. Ouais, un truc, tu vois, qui les repousse parce qu'ils ont pas le droit de vivre. Ouais. Parce qu'il leur donne ce droit. Oh, ça chlingue ici. Mais il est loin le cul. Mais le cul, j'ai l'impression qu'il se déplace, c'est pas possible. A chaque fois, j'ai l'impression d'être encore plus loin qu'avant. Putain, aïe, 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 aïe. Ah, il est là. On va se débarrasser de ça là. On m'appelle le toréador. Olé. Ah putain, bah tout ça pour ça, bordel. Il faut du pur là. Ta. Et bah voilà. Ah oui, on va prendre du normal. Ah ouais, parce que prends-en quand même pas mal, si on voit plus tard en avoir besoin, ça va être chiant de revenir jusqu'ici. Parce que le voyage il est chiant hein. Attends, mais c'est quoi le truc? On dirait un téléporteur, ça n'a rien à voir. Non, je dirais bien. Oh, ce serait bien. Ah, oh, je vais en prendre 1000. En vrai, j'en prends plein. Hein. J'adore les ressources. Plus là, il est normal. Mais les ressources sont inépuisables, ma parole. C'est fou, ça. Et surtout, on a combien de place? C'est incroyable. Attends, tout le monde veut qu'on chante We Will Rock You. Attends. Avec le rythme du truc? Ouais, c'est le rythme à peu près. Mais vu que je connais que le refrain et We Will Rock You. Ah oui, c'est bon, c'est ça. Na 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 na. Zara l'a déjà fait. Zara l'a fait. Ah, oui, bah c'est pour ça qu'on me le demande, hein, j'imagine bien. Vous pouvez faire la blague que on veut que vous fassiez, s'il vous plaît. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Le soleil se couche? Ouais. Oh, la lune. Oh. Elle doit bien éclairer quand même. La lune ne crée pas de l'ombre en fait, au contraire. Parce que... Ça dépend. Oh. Attends, il y a plusieurs... Ah. Oh. C'est une autre lune? Qu'est-ce que... C'est une lune... Ah, il y en a une troisième ici. Ah, oh, c'est une planète peut-être. J'en sais rien. C'est sûrement des planètes, je sais pas. Planète. Ici, c'est une lune. Là. Ah oui, là c'est peut-être une... Bah moi je me casse. Ça peut être une lune très rapprochée, parce que si c'est une planète, ah, je sais pas, j'ai un problème des proportions. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute? Je pense que non quand même. C'est le futur. Attends, Liling... Ah, je peux construire. D'accord. Ah, c'est pas le futur, putain. Il y a des dégâts de chute. Sur la chute. Ouais, vas-y, sois méthodique. Ah, ok. On pourra construire des bagnoles. Il y a des véhicules dans le jeu? Si oui, ils volent, ils roulent, les deux? Je l'espère. Oui. Oh, ok. Des camions. Tout ça pour une bobine de fil. Mazette. Attends, mais c'est un monstre qui est devant toi? Ah non, c'est toi le monstre. Super sympa. Ah maintenant je vais créer la... Va falloir exterminer ces choses qui puent, hein. On vit quand même à côté d'une décharge. Hein. T'as dit ça au moment où j'ai pété, ça sent vraiment pas bon. De coup, je vis vraiment à côté d'une décharge. Alors, il fallait 50 fils électriques. Plan trop coûteux? Quoi? Ah, parce qu'il faut des lingots de cuivre d'abord, d'accord. Ah. Oh, bah y'a de quoi en faire pas mal. On transforme.
Brûleur de biomasse. C'est pour brûler son caca. Oh bah la biomasse, on sait ce que c'est, hein. Pause. Où est-ce qu'on met son gros caca? Feuilles. Je brûle des feuilles. Oui, des feuilles, entre guillemets. C'est pour faire de l'électricité. D'accord. Ah, je l'ai bien amélioré, là. T'as fait quoi? Putain, il y a des murs. J'ai amélioré le même. D'un coup, j'ai eu des murs. You have unlocked scanner stone. New buildings and blueprints, which can be found in the build menu and craft bench, respectively. Ah ouais. Seventh objective, hub upgrade conveyor belts. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Attends, là, ce que tu viens de faire. Note, constructors are capable of constructing various parts, hub 3. Of which only one type at a time. Ok. On améliore, mais qu'est-ce qu'on fout? Alors, 75 plaques de fer. Ouais. Ok. Je vais m'en occuper. Alors, c'est des plaques de fer renforcées ou des plaques de fer qu'il faut? Plaques de fer normales. Du câble, okay. 10 de câble. Oh là, attends. Plante. Ah, j'ai plus de fer. Ah. J'ai que 9 de fer. Eh ben, je vais aller chercher du fer. T'as plus de fer, t'es sûr? Tu veux l'utiliser? Attends, fais voir. Ah non, moi j'en ai plein. Attends. Du coup. Alors, dis-moi ce qu'il faut. Plaque de fer, il en faut combien? Ah, fais des lingots de fer déjà. Déjà. Putain, bon, on pourra voir. Plaque de. Ah non, il faut deux plaques de fer renforcées. Tu m'en feras deux, tiens. D'accord. Plaque de fer, une, deux. J'en ai deux. Ensuite. Donc, il faut 10 câbles. Câbles. Pour des câbles, il faut du fil électrique. Et pour le fil électrique, il faut du lingot de cuivre. Alors j'en fais. Tiens, je te drop un fil électrique. Oh putain, c'était dans mon sac à dos ça? Oh putain, c'est gros. Ça rend dans mon sac. Du câble, il en faut combien? Alors du câble, il en faut. Bah 10. Ok. Alors j'en ai 10, c'est bon. Du béton, je crois. Ouais, il me faut 10 de béton aussi. Ah, faut que j'aille rechercher du calcaire. Ah, t'avais trouvé du calcaire? Ouais, il était juste là. Ah, juste là. Voilà. Alors mon scanner à calcaire me dit pas où est-ce qu'il est par contre. Ah si, d'accord. Hop. C'est marqué en haut à droite. Putain, que oui. Des fois je me demande si je suis pas trop près de mon écran. Ça va Skyheart? Il joue collé lui. Skyheart, je crois que son front touche l'écran. Il voit bien l'ennemi. Ouais, il voit très bien. Il faut que vous fassiez l'atelier d'équipement, vous pourrez fabriquer une foreuse portable. Ouais, ça peut être pas mal. Ok. Atelier d'équipement, c'est parti. On le fait. Oh putain, je peux le faire moi. De toute façon, il me faut. Ah, il manque des ressources. Je vais juste finir l'amélioration up 3 et. Après, on va faire ça. Ouais, après, je crois qu'il faut qu'on arrête d'améliorer parce qu'apparemment, ouais. On doit faire. Je pense que trucs. Ça sert à rien. Ouais. Bon, ça embellit la base. Ok. Voilà, et ça. Ça, c'est du. C'est des plaques de fer renforcées. Et pour ça, il faut des vis. Ouais, bah, mon salaud. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah putain! C'est du cuivre! Ah, encore ouais, des vis. Pas mal! Merde, j'ai plus de fer là!
Si, j'ai du minerai de fer. Justement, j'allais en chercher. J'en ai encore. Je vais pouvoir finir ce monde. Oh non, la grosse mythe. Bah, elle est inoffensive. Et si je te mets un coup dans les pattes là? Oh. Oh non, je m'en veux trop. T'inquiète pas, ça va vite partir cette culpabilité là. On va juste détruire toute cette planète et tu te sentiras très bien quand tu nageras dans l'argent. J'ai l'impression d'être dans Avatar, d'être le méchant colonialiste là qui se fout de la nature, qui est cupide et j'agresse la nature. Merde. Hop. Hop. Et hop. Ah mais. Ah ouais, les plaques de fer, il en faut. Ah ouais. Je comprends pas, j'étais parti en chercher mais j'ai plus la trace du fer, minerai de fer là. Ah ouais, il va en falloir hein. Ouh. 134 mètres. Mais je te jure que les... ça bouge, les ressources. Normalement non. Elles migrent. Et tu sais, quand tu les vois, elles s'arrêtent de bouger. Oh. Attention. Ouais, j'aurais pas assez. Ah mais le impur, c'est de la merde, non? Je sais pas, ça doit faire beaucoup moins de rendement, ouais. Il nous en manque. J'aimerais pas qu'on dise de moi que je suis impur. Tu es impur, tu me sers à rien. Tu es là, mais tu... il y a des choses beaucoup mieux que toi, quand même. ouais, il en manque 40, quand même. C'est ce que ta meuf dit de toi. T'es là, c'est bien, mais il y a mieux que toi, quand même. J'aurais pu avoir mieux, mais t'étais plus proche. On loupe des informations à gauche de l'écran en améliorant le hub, du coup, tu loupes des informations essentielles pour avancer. Ah, ça fait chier, par contre. C'était quoi, je vais arrêter de... Alors, atelier d'équipement, c'est ça que vous vouliez qu'on fasse là, avec les plaques de fer et les tiges de fer. Bon, ça c'est tout simple à faire. Sauf que voilà, il faut du... Ok. On va se recadrer. Je vais chercher plein de fer. Ah, je pense que c'est parce que le impur te drop moins de fer que quand il est pur. Je crois que c'est la diff. Bah, je vais pas aller là où t'es. Je vais aller chercher un autre dépôt. Il faut beaucoup de fer ou pas? Parce que j'ai déjà 46 minerais de fer. Je sais plus combien ça coûte de... En gros, il faut 40 plaques de fer, mais je sais plus combien ça coûte une plaque de fer. Et je sais plus combien ça coûte pour faire un lingot. Donc en fait, bah, j'en sais rien quoi. T'aimerais pas avoir un lingot d'or dans ta vie? Qui est à toi? Ouais, si tu... ouais, bah à la limite, ouais. Ça coûte combien un lingot d'or? Ça, en euros? Ah, bah justement, si un... il me semble, si tu dis pas de conneries, que le cours de l'or ne fait qu'augmenter globalement. Si t'investis dans un lingot d'or. Ça paraît trop simple. Ah ouais, c'est vrai que ça paraît simple, attends. Si tu mets toute ta fortune en or, c'est cool. Attendez, essayez de trouver le glitch. ça fait pas que monter. Ah, putain, peut-être, j'en sais rien. Et je pense que sur sa globalité, l'or. Ça coûte. Attends. Déjà, un lingot c'est 1 kilo, je suppose. Ça me paraît d'être un chiffre assez rond, 1 kilo. 30 000 euros le kilo, bon, vous donnez plein de chiffres, mais en général, vous restez. Ouais, attends. Attends. Déjà, poids, lingot. Pour être sûr qu'il n'y ait pas un truc. Si tu craftes un croisé, c'est quoi? Tu peux l'envoyer sur le gisement pour le passer d'impur à normal. Oh! Oh. Alors, je sais pas ce que c'est un croisé, mais attends, est-ce que je peux. Fonderie, constructeur. Le hub. Ah, je vois pas de truc qui s'appelle croisé. C'est peut-être pas ici qu'on le construit. Alors, ce que je voulais faire, c'était. Atelier d'équipement. 6 plaques de fer, 6 tiges de fer. Alors, ok, donc un lingot d'or pèse finalement 12,4 kg. Putain. Il faut que je sache combien ça coûte. Un croisé, c'est un chevalier. Mais ferme ta gueule, putain, voilà, je suis sûr qu'il me casse tes couilles. Bah mec, c'est un peu cher le lingot en fait. C'est cher? Ouais, c'est okay. 36 910 euros pour l'instant. Atelier d'équipement, je le fais comme ça le chat, ça c'est pas de la merde.
m'en rends pas compte. C'est important. Osef. Ouais. Okay. Atelier. J'ai 150 de fer, ça commence à être long. Foreuse portable. 4 plaques de fer. Ah ouais, tu te donnes. Je me donne à fond. Fil électrique. Câble. Je peux pas me marquer ça quelque part. Genre mettre. Plaque de fer, fil électrique, câble. Bon, je vais m'arrêter là. 170 de fer, c'est pas mal quand même. Voilà, pourquoi ça. Putain, ça y est, tu commences déjà à polluer la planète. Je vois de la fumée noire. Tu vois une grande fumée noire. Putain, c'est incroyable. Oh, puis il construit des trucs. Oh là 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 là. Je suis un gros enculé, mais j'adore ça. Quoi, mais c'est des cibles d'entraînement, mais qu'est-ce que t'as créé là? Pourquoi tu veux. On va se faire des foreuses portables. Ça va être incroyable. Et du câble, il en faut 4. Ça va être fou. Bon, il manquait des plaques de fer, d'accord, je vais faire des plaques de fer. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Plaques de fer normal ou renforcée? Non, plaques de fer. Espace trop insuffisant. Comment ça, espace insuffisant dans l'inventaire? Quoi? Wow! Attends, et du coup, comment ça marche ça? Terra, les minerais impurs sont inépuisables. Ah! C'est un bon truc ça. Je vais aller chercher du cuivre, parce qu'on en a pas beaucoup. J'en ai si tu veux, j'ai 173 lingots de cuivre. Ah, je vais peut-être aller chercher du fer alors. J'en ai, si juste... tu veux, j'ai beaucoup de fer aussi. Ouais, mais je veux tester ma foreuse portable. C'est mon nouveau gadget. Ah ouais, mais je veux tester moi aussi. Alors. Plaque de fer. J'ai hâte. Donc là. Là. Ah, mais... Oh. Ah. Pour l'arachnophobie, c'était ça. La foreuse portable, c'est. Ça fait un peu araignée. Ah non, seulement au début. Ouais, vas-y. Oh là là, ça c'est bien ça. Hop, un minerai, 8 minerais, putain c'est trop bien. Du coup là je le laisse et je reviendrai et. Et il y aura full truc. Ok, et voilà. Elle va bloquer à 100. Okay. Le hub niveau 3. Voilà. Oh, bah il y a un étage en plus. Fabriquer des constructeurs pour automatiser la production de pièces simples. Fabriquez-en plusieurs pour chaque type. Chaque type de minerai. Ouais, bah je vais en refaire un autre pour le cuivre et puis voilà. Attends, vas-y, laisse-moi faire. Comment tu fais? Fais une foreuse portable. Ouais. Ouais, et après sur du cuivre et là on sera ultra chaud. 8 fils électriques, 4 câbles. Ok, 8 fils électriques et 4 câbles. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire le chat là? On va avoir deux foreuses portables. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Okay. Je peux construire quoi? Je peux construire un établi, ça on l'a déjà l'établi. Une fonderie, je peux faire une fonderie. Ok, c'est bon, j'ai la foreuse portable. Tu l'as mise sur quoi? Sur quelle ressource? Je l'ai mise sur du fer. Ok, je vais prendre du cuivre. Je suppose que c'est la ressource la plus importante après le. Je vais faire une fonderie. Ah non, c'était loin le cuivre. Oh non, pitié, c'était loin le cuivre. Deux tiges. Et. Bah, trois tiges de fer. Hop. Et voilà une petite fonderie. C'est dans quel sens? Et ta foreuse portable, en fait, tu iras la chercher plus tard et ça te donnera les ressources que ça a foré? Ça bloque à 100 apparemment. Ah, c'est nul un peu. Ah, je suppose qu'il y en a des. Après, il y a des trucs de ouf. Ah, il faudrait l'améliorer parce que 100 c'est. Ouais. Et
Je sais même pas si ça vaut le coup. Ouais, je la pose. Bon, alors je sais pas trop quoi. Place à côté de la foreuse. Oh putain, c'est stylé! C'est où la foreuse? C'est pas ça la foreuse. Wouah, putain, les animations sont excellentes! Ah, tu veux dire, genre, je le mets à la foreuse là-bas? Ah ouais, vous voulez dire que. Vous êtes des oufs? Attendez. Non. Non. Ok, non. Oui, non. Vous avez pas encore débloqué les foreuses. Oui, parce que celle que j'ai mis, elle est provisoire, elle est portable. Ce sera près d'une vraie foreuse, j'imagine. Donc il faut plutôt que je trouve une foreuse, plutôt, non? Je veux construire plein de choses. Je veux exploiter toutes les ressources de cette planète. Je veux repartir sur la mienne. On n'a pas de planète Terra. C'est ça qui est dramatique. Ah, on est en train de niquer notre planète. Parce qu'on a baisé la nôtre. Oh non, l'humanité est un virus. L'histoire se répète. Putain, je sais pas quoi faire. Faut que tu upgrades ta base. Ah, on l'a bien améliorée déjà, non? Oh, elle est niveau 3 déjà. Ah, tu peux faire une liste des tâches quand tu veux construire un truc, tu fais clic droit dessus et ça s'affiche sur ton écran pour pas oublier. Ah d'accord. C'est pas mal ça. Mais par contre, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la prochaine Bah, je sais pas exactement, je suis un peu... Je sais que quand on va faire une fonderie, ça fera des lingots tout seul, mais le problème c'est qu'il faudrait le faire près du minerai et surtout près d'une foreuse, mais pas une foreuse portable, une vraie foreuse. Eh ben... Le problème c'est qu'on a pas de... Upgrade pour foreuse auto. Ouais, bah on va upgrade la base. Tant pis, hein. Et on fera une vraie foreuse. Alors, il nous faut 100 plaques de fer, 75 tiges de fer, 20 de béton et 20 câbles. Ok, je vais faire le câble. Je vais faire du béton. Ah, l'établi est occupé. Ah, tant pis. Attends, je fais le câble. Tu pourras faire venir des convoyeurs directement vers votre base. Oui, c'est ce qu'ils disent à gauche là. D'accord, on aura des convoyeurs qui iront faire les. Il fallait combien de tiges de fer? Soixante-quinze tiges de fer. 75. Mmh. Mais du coup, je veux bien faire des convoyeurs, mais c'est loin, ça fait beaucoup de convoyeurs là, non? Pour aller jusqu'au minerai. Je veux bien, hein. Mais faut vraiment que j'aille jusqu'à là-bas avec des convoyeurs. Parce que ça m'a l'air... Ça, on dirait que c'est genre un bloc. Et après, il va falloir que j'en fasse masse. Oui, j'ai la liste en haut à droite. Ah oui, c'est vrai que j'ai la liste en haut à droite, j'avais pas vu. Ça va en faire masse quand même. Je trouve ça... Enfin, je suppose que... Ta foreuse portable ne permet pas d'automatiser. Ouais. Je suppose qu'on a loupé quelques étapes, c'est chiant. Oh, on va réussir à rattraper le coup. Putain, j'avais pas vu, mais on a construit des chiottes, en vrai. Ah bon? Ouais. Des lits et des chiottes. Alors, il manque... Si t'as du calcaire restant, il faudrait faire 20 de béton. Ouais. Ah, du calcaire. Ouais. Ah oui, c'est vrai, des chiottes. Je vais aller chercher du calcaire. Quoi, t'en as plus? Non. Et du coup, ce serait peut-être malin que je me fasse direct une foreuse portable pour ça. Avec du câble. Est-ce que ça va scanner mes foreuses portables? Parce que si on les oublie... Putain, c'est vrai qu'il faut pas oublier où elles sont, quoi. Sinon, c'est vraiment dommage. Oh
Ok, la tienne est à l'arrêt, je suppose que c'est parce que... Ouais, c'est bon, elle recommence. Ouais, tu quartz. J'ai pris tout le fer. Incroyable. Oh, cette rémanta est magnifique. Ok, j'ai récupéré les ressources pour que les foreuses redémarrent. Mais en fin de compte, ouais, ce qui est bien, c'est d'en poser plusieurs sur une seule et même ressource. Ah ouais. Comme ça, t'arrives et tu graboles sur toutes les foreuses. Oh, pourquoi j'ai sauté moi? Base est trop loin des minerais, c'est vrai qu'on est un peu loin. Oh, c'est pas très grave. De toute façon, apparemment, on peut avoir des convois automatiques qui vont chercher les ressources. Ouais. Vous verrez, tout ça sera bientôt vite oublié. On sera étendu sur des kilomètres. Ça sera derrière nous. Et les gens parleront de nous partout dans le monde. On est pas que deux sur ce monde? C'est pas sûr. Eh hey, mais si on est que deux, on est un peu Adam et Ève. Si on veut qu'il y ait une race qui se reproduise, on n'a pas trop de choix. Baise. Alors. Ah, on a le même sexe. Ah non, t'as des nénés. Oh, j'en connais un qui va prendre cher. Casse-toi. Faire du béton là. Ouais, attends, bah, je crois tu que vas faire autre chose. Je crois que je vais refaire un établi. Je crois que je vais refaire un établi. Arrête. Tu vas se faire reproduire la race. Je vais faire un établi parce que. Parce qu'on est trop lent à avoir qu'un seul établi là. Bon allez. Je le fais pas. 20. Attends. Sérieux? Il faut autant de calcaire. Il faut combien de calcaire pour faire un truc de béton? 3. Bah ça va alors. Ramène du calcaire. Ouais ouais bah j'y retourne. C'est pas beaucoup, il faut que t'en aies 60 et c'est bon. La foreuse a dû faire son taf. Tu fais un établi, fais-le près des ressources. C'est vrai. Et ben, ça va faire beaucoup de lingots, toute cette histoire. Tut 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 tut. Putain mais j'ai pris trop de cuivre. Qu'est-ce que je vais en foutre de tout ce cuivre de merde? Oh c'est long. Hop. Un peu long, oui, je sais. Eh ben, je vais stack pas mal de cuivre là. Hein. Tu me diras quand tu auras fini. Oh bah vas-y, parce que là vraiment ça met trop de temps. Alors, béton. Voilà. Full béton. Et maintenant. Plaque de fer. Je sais pas où est-ce qu'on peut construire des trucs un peu stylés. Quel genre? Je sais pas, parce que là, à part une foreuse portable, qu'est-ce qu'on peut construire? Construisez des convoyeurs pour relier les bâtiments entre eux et disposer d'une automatisation complète. Bah ouais, mais comment on construit des convoyeurs? Ah non, c'est pour plus tard, ça d'accord, c'est pour le hub 4. L'établi il peut surchauffer.
Je regarde pour construire une fonderie qui automatise. Fonderie. On en a construit une fonderie ou pas? J'ai pas fait parce qu'on m'a dit de faire plutôt une foreuse avant et après de... Tu sais, en vrai, je pense qu'on pourrait essayer de... Enfin, on l'a fait et on voit quoi. Ah, je vais faire 5 tiges de fer. Si on fait rien, on apprendra pas donc. L'établi est occupé. Ah, d'accord. J'ai presque fini. Tu pourras me faire 5 tiges de fer? Ah! Je te les drop. Elles sont par terre. Ah, merci. Et attention, on va upgrade la base. Ah, tu pourrais. Paf! Non, ok. Ça va pas beaucoup changer. Et la fonderie, je la fais où du coup? Je la fais à côté de la base ou bah, c'est, ça que je sais, c'est ça que je sais pas en vrai. Eh hey, les rails, je la fais où la fonderie? Il y a une entrée, une sortie, mais du coup. Ouais, je la fais en fonction de quoi? Vous pouvez tout décraft sans rien perdre. Ah ouais, c'est vrai qu'on a le F pour tout reprendre. Ah, c'est bien. Ah, à côté de la base. Ah, on me dit à côté de la base ou à côté d'un gisement? C'est quand même pas pareil. Et maintenant on peut faire miner MK1. Grave lourd. Grave lourd ça. Grave lourd. Je vais commencer à faire ça. De quoi qui est lourd? On va pouvoir faire une énorme foreuse. D'accord. Bon, moi je fais la fonderie ici, au pire. Hein. D'accord. La crématique, pourquoi? D'accord. Ok, bah voilà la fonderie, et qu'est-ce que j'en fous de la fonderie? Bah moi tu rentres dedans comme ça. Attends, mais qu'est-ce que ça fait la fonderie? Alors, déjà, je vais aller chercher du fer, parce que... J'en ouais, tout le monde dit n'importe quoi, vous êtes chiant. Attends, chacun dit un truc différent. Tu mets une foreuse sur un gisement, et juste à côté une fonderie, et tu les relis. Ouais, déjà faut la relier avec de l'électricité apparemment. Bah je vais relier la fonderie Donc on peut mettre des poteaux électriques. Ouais ça, ceux-là je les ai vus. Ah, bah je vais mettre la fonderie à côté du gisement du coup. Et puis une ligne. Fonderie, voilà. Ah ouais, t'es où là? Ah oui d'accord, tu le fais là-bas, ok. Ici. Tac. Tac, miner. Hop. Ok. Ah. En fait, personne n'aura raison ou tort. Chacun construit sa base à sa façon. Ouais, j'aime ça. Voilà une bonne remarque. Ça, j'aime cet état d'esprit là. J'adore. Y'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Y'a pas de débile. poteau électrique. Mais les poteaux électriques, comment je sais à quelle distance je peux relier chaque truc? Genre, à quel moment ça me dit vous êtes trop loin ou vous pouvez encore y aller? Ouais, je comprends pas tout pour l'instant. Ah d'accord, ok. Mais... Il me faut du... Ah oui, d'accord, il faut que je... Oui, il faut du fil. Et pour ça, il me faut... Alors... Hey, c'est toi qui as du fer, là. Ouais, t'as du fer, toi. Vous devez placer ceci sur un nœud de ressources. Attends, j'arrive. Oh, putain. Oh là là. Moi, j'ai des ressources? Ouais, t'as des ressources, toi. Ah bon, on va voir. T'as du fer, toi? T'as pas du fer. Ok, du fil électrique, c'est bon. Des tiges de fer. Oh putain. Oh putain, ça va être lourd. Alors, oh là là. Paf. C'est gigantesque. Oh, c'est tellement bien. No power. Ah oui. Oh la vache, c'est quoi que t'as fait? Une ferro... Oh, c'est une grosse foreuse ça? C'est une énorme foreuse. Et du coup, ça va sortir par ici.
Tu l'as pas mis dans le bon sens. Bah oui, je peux. Oui, bon. Je peux la mettre dans l'autre sens si vous voulez, c'est pas grave. Je sais pas. Ah oui, donc là ça va sortir. Ah ouais, bah tiens, regarde. Hop, c'est mieux. Comme ça c'est en face de ton truc. Ah mais du coup mon truc est dans le bon sens. Déplace-le un peu ton machin. Comment je fais? Genre mets-le tout près. Genre tu fais F et tu le reconstruis juste là. Ok. Comme ça on fera pas beaucoup de chemin entre les deux. Fonderie. Genre ouais. Ouais. Attends, attends. Regarde là, ça me paraît bien axé là. Là ils font un convoi. Hop. Ils font des convoyeurs entre les trucs. Je suppose. Oh! 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 Maintenant il nous faut de l'électricité! Ah, oh! Comment on fait? Ah. Attends, mais dites pas que je vais faire des poteaux électriques depuis la base! Si, c'est ce qu'il faut faire, je crois! Ah, les chiens, putain! Oh, c'est trop bien! Oui. Fabrique MK1, puis fonderie, puis relier avec un convoyeur, puis automatiser, puis recommencer. Quoi? Fabrique MK1. D'accord, donc pour faire des. Parce que t'as fait le MK1. Ouais. MK1, puis fonderie, puis convoyeur, ok. Convoyeur, c'est où convoyeur? Déplace la base. Oh, c'est chaud, non? On peut déplacer toute la base? Genre, déconstruire tout le hub et le refaire? Le déplacer? Ça se fait, ça? Ça me paraît un peu. Ça me paraît chaud. Eh, non au pire, comme ils avaient dit, chacun sa façon. Ouais, on fait des. Vas-y, on fait on plein est... de poteaux. Bah oui, oh, y'a une grosse bête qui vient voir ce qui se passe. Et c'est vous qui construisez toute cette merde là? C'est quoi ce bordel? Ça sent la fumée chez moi! J'en dis qu'on peut déplacer la base, mais moi ça me plaît plus de me dire on a commencé ici, on doit cheminer. Il faut s'adapter à l'environnement, hein. C'est pas l'environnement qui s'adaptera à nous. Hop. Fonctionne à fond, j'ai encore mis de la biomasse dans sur une deuxième machine, comme ça la pollution est à son maximum. Yes. Alors, pour faire plein de fils électriques, il va falloir... Bah, du fer. Plein de tiges de fer. Je vais farmer ça. Moi, je vais aller prendre mon... Tu brûles pour rien. Ouais, c'est ce que je me dis. Moi, je vais aller faire un truc. Je vais aller déplacer mon petit foreur automatique là et prendre du fer. Parce que le cuivre, on en a largement assez. Enfin, perso, j'en ai trop. Ouais, pour l'instant, vu qu'on a besoin de fer à chaque fois, autant me concentrer sur le fer. La portée des câbles est très longue. Ouais, bah ça va, on va pas se déplacer alors. C'est bon. On va faire avec. Comment je récupère la foreuse? Ah, ramasser la foreuse. Non. Ok, ouais. Non, c'est bon. D'accord, du coup, comment faire? J'ai jamais fait ça, moi. Donc là, le fil, je le fais partir de... Ah mais ouais, on comprend bien le principe des poteaux électriques. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment on fait pour savoir la distance maximum qu'on peut là, avoir. C'est bon, qui relie je le fais là. Ouais. Là, je le fais. En fait, tu commences une... un fil électrique des trucs de biomasse là. Ouais. Et après, en restant appuyé, tu peux placer un poteau. D'ailleurs, qui a une putain de portée. Ouais, c'est grand. Ouais. Ouais. Oh putain, ouais. Oui, tu tires vraiment loin là. Je suis en train de tirer les câbles là. Et du coup, ça, bah, je vais le mettre là. Avec la grosse qui est en train de regarder là. Ah non, mais câble trop long. Arrêtez, câble trop long, c'est marqué depuis tout à l'heure. Je me disais, ah ouais, c'est trop bien. Ah non, mais ça va, ça arrive jusque là. Et bah voilà, on aura un seul suffit. Ouais. Et là. Oh putain, c'est moche. On t'a une tyrolienne. Je vais de là. Alors. Jusqu'à. Là. Et de là. Ah, je peux pas directement. D'accord. Et là, je mets. Trop coûteux. Manque câble. Oh putain, sérieux. Tu veux quoi comme câble? Il te faut. Attends, je peux te le faire. Bouge pas. Il me faut là, juste du câble. Bah tiens, j'en ai un. Voilà.
Il a. Ah, ça va peut-être le faire. Sinon, trop, on peut aller en crafter. Trop coûteux, il manque deux câbles. Quel dommage. Vas-y, j'allais faire le câble. Ça va, ils sont longs les câbles. Ouais, bah enfin, si c'est pour aller à 1,5 km tout à l'heure, ça va être long. Tiens, tu pourras allumer. Il va péter le câble! C'est bon, il passe à travers. Oui, les gars, arrêtez tout de suite le massacre là, c'est moche! Tu peux allumer la biomasse pendant que t'es là? La celle de gauche? Je suppose, celle de gauche. J'ai l'impression que les deux tournent. Ok. Attends. Là, je vais rajouter de l'herbe. Et comment je fais? No power. Je démarre. Parfait, je crois que je reçois du courant. C'est bon, il y a marqué no connection sur l'autre. Ouais, c'est normal. Ok. Mmh. Ok, c'est bon. T'as du jus? Ça commence? Je crois, ouais. Regroupe les deux générateurs sur un câble. Initial scans reveal coloring properties in the flower petals. Further analysis required. Un minerai de fer, 30 par minute. Ah. Qu'y a-t-il? Tu m'as acheté du câble? Ah, pardon. Au pire, tu peux le faire si tu veux t'exercer au câble. Non, tiens, ah ouais, bah alors comment on fait? Tu fais deux, du coup, enfin, c'est ton truc de, okay, de ligne électrique. Deux. Et tu pars de, bah par exemple, ouais. Je redis ça à l'autre. Le gros mine, la grosse foreuse au poteau ici. Ah, attends, grosse foreuse au poteau. Ouais, je pense. Parce que je pense pas que ça peut passer par ça et aller vers ça. Je pense, hein. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça peut aller. Si c'est logique, ça peut aller d'ici ouais, à. Bah j'aimerais bien. Ce serait plus joli. Par contre. Attends, déjà, pourquoi je peux plus? Je pouvais juste à l'instant. Ah non, je peux pas, d'accord, attends. Là, tu peux, ouais. Non, là, ça va me créer un poteau indépendant. Je comprends pas. Non, c'est bon, t'es. Là, t'es bien là. Ah, c'est bon, là, ouais. C'est bon. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'énergie. Je suis pas sûr qu'il y ait. Pourtant, ça. Ah, si, ça démarre, ça démarre, bon. Ça démarre. Elle est en train de. C'est bon, elle creuse. Ça va sortir du coup, ou ça pas va nous sortir du. Ça sort. Oh, y en a masse. Oh putain, le beau pâté. Oh les pâtés. Oh, putain, le et là, beau pâté. Et là, du coup, ça va sortir quoi là? Là, y a. Oh, ah, là, attends, y a rien attends, derrière. Y a rien, merde. Ah. Oui. Il faut, On le met où après? Dans un coffre. Coupe le jus. Coupez. J'arrête tout. Je coupe. C'est bon. J'ai coupé. Ah, là aussi, faut couper. Alors. Ah bah c'est bon, en fait on le récupère directement dedans. Je crois, parce qu'il y a rien qui tombe. Ouais. Genre faut juste cliquer et les prendre. Non. Ça se stack dans la machine. Ouais, ça ah, se stack. Et maintenant comment je fais pour J'en ai pris. Ok, bah on va redémarrer le bousin. Et après un convoyeur jusqu'à la base. Ouais. Ouais. C'est beau, ça fait beaucoup de convoyeurs quand même. Trop coûteux. Ah les chiens, putain. Ça va faire hein. Ça. Là, tu vois, là j'ai les ressources pour faire ça. Attends. Avec 39 tiges de fer. Y'a pas un truc motorisé qui peut aller mais ouais. D'ici à. Je sais pas, y'a pas un autre moyen? Ce serait lourd. Non, c'est exactement le tapis. Mettez un seau, ouais d'accord. Un constructeur. Attends, je regarde un peu ce qu'on peut faire d'autre. Un constructeur. Transforme une pièce. Ah ouais, avec un constructeur on peut créer des. Faites un constructeur. Quel genre de pièce? Oh là, c'est quoi ça? Il faut. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais un constructeur, t'es sûr que c'est pour la fonderie? C'est pas plutôt pour construire justement des véhicules ou des trucs automatisés? Ouais, je sais pas à quoi ça sert. Automatisation possible de l'envoi de pièces. Je sais pas ce que ça construit en fait. C'est ça qui. Je prends des. De la biomasse. Pour alimenter des fours.
Vas-y, mets toute ta belle biomasse. Ça peut pratiquement tout construire. Oh bon, bah ça peut être pratique alors. Mais ouais, plutôt que faire raconter de la base du coup. Bah ouais. Ouais. Constructeur, c'est un établi auto. Ok. Oh, faudrait quand même que je fasse un établi ici parce que c'est très frustrant là. Ouais. On va faire un établi. Il faudra un espace de stockage, d'accord. Ouais, là je vais faire un espace de stockage pour voir si je peux le mettre à la sortie du... Ouais, ouais, on va faire ça. C'est bien, non, de faire ça, le chat, non. C'est pas mal. C'est un truc logique, ça. Tu sais. Je sais pas, je fais un stockage... Oui, bah, logiquement. Ça sort et ça stocke. Par contre, putain, j'ai du mal à voir si. Que je te dise ? Si je suis bien en face, tu vois. Bouge pas, je vais te le dire. J'ai des repères, je crois, des fois. Attends. C'est un peu comme Photoshop, je pense, ça te fait des marqueurs. Ouais, des fois. Attends, ouais. C'est un peu plus à gauche par rapport à moi. Un peu plus à droite. Tu peux pivoter un petit peu ? Oui, maintenant tu le mets à gauche. Par rapport à moi, toujours. Hein. Encore un peu à gauche. Ah, un peu à droite. Oh, t'es bon là. Contrôle pour l'aligner. Ah. Oh bah non, je voulais faire comme. Tu sais, comme quand il y a un daron qui veut garer la voiture et que la bonne femme elle sort. Gauche! Braque! Non, tu vas toucher là! Convoyeur. Ok, là du coup ça va directement faire sortir voilà. Le cousin. Oh, aïe 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 aïe. Oh, ça. Au début c'est un gros pâté dégueu et ça se transforme en magnifique lingot, putain. Et au moins ça pourra en mettre plein quoi, j'imagine. Ça va vraiment en sortir masse là. Enfin on pourra en stocker masse. Du coup faut qu'on refasse la même chose pour le cuivre. Oups. Ah. Putain oui. Ouais bah ouais, et ensuite le calcaire. Et on n'a pas fait de constructeur. Mais je sais juste pour l'instant je vois. Ah mais constructeur peut-être qu'on pourrait du coup ça peut-être nous servir pour refaire tout ça. Tu vois, on peut peut-être le faire plus vite grâce au constructeur. Le constructeur va servir à quoi? À faire tout ça? Je sais pas. Vas-y, faut essayer. Plaque de fer renforcée et câble. Ouais, je peux t'en faire. Dis-moi le nombre de ressources et je te dirai qui tu es. Alors, plaque de fer renforcée, je peux en faire une. Ah, mais t'as fait un truc, t'as fait un truc en haut pour pouvoir crafter? Ouais, j'ai fait un établi ici. Dans la base. Ouais, t'es feignant toi. J'en avais marre. Tu sais, je commence à être très feignant là. Alors, il te faut quoi et quoi et quoi? Alors, deux plaques renforcées, mais j'en ai déjà une. Ah non, j'en ai pas. Trois plaques renforcées de fer et un câble. Ok, bah d'abord je vais faire des lingots de fer. Un seul câble, c'est tout? Ouais. Bah tiens, attends déjà. Mais du coup le constructeur on aurait dû le relier à ça non? À la fonderie? Je sais pas. Merci. On va peut-être enlever ça non? Je sais pas. Ah des vis? Ah. Oh putain, oh le bordel que c'est pour faire des plaques renforcées? Tu peux relier au stockage, d'accord. Bah c'est bien alors. C'est top ça. Alors, plaque renforcée, il faut des plaques de fer, d'accord. Et puis après on va arriver au bout, hein. J'espère que je vais pouvoir le placer là d'ailleurs. Et des vis. Et pour les vis, il au faut... Au pire je peux le faire par là. Parce que là on l'a fait tout dans le même sens, mais après on peut tourner quoi. Si jamais le constructeur produit moins vite que la fonderie, le convoyeur ne sera pas bloqué. Ouais, c'est bien. Il te faut deux plaques renforcées, hein. Ouais. Tiens. Trois, même.
Oh non, c'est vrai. C'est chiant, hein, à faire. Oh putain. Oh le casse-couille. Ah mais moi je pouvais m'en faire une, je pouvais m'en faire une, attends. Donc je vais la faire. C'est bon. Constructeur. Ah ya. Et donc ce truc là va servir à quoi? Attends, je pourrais. On va voir. En le faisant. Ouais. Ok. Oh. À quoi tu d'accord, sers toi? Ça va dans le bousin. Mais le bousin il est pas alimenté, il faut l'alimenter. Ah ouais, putain. Ah, et manque de câble. Est-ce que je peux le faire moi? C'est bon, je l'ai alimenté. Ok. Faut le démarrer? Pas besoin. Ah ouais, on peut faire du coup n'importe quoi. Plaque de fer, tige de fer, fil électrique, câble, vis béton. Ah ok, sans besoin de passer par... par l'établi quoi. Si on a besoin d'un truc en masse, bah c'est bien. Ok, bah du coup il y avait besoin d'alimenter ce truc là? Oui, oui je suppose. Ça oui, je l'ai alimenté là. Parce que d'accord, ça a mis en stop... on verra si on a besoin d'un truc. Mais... Putain mais ça peut vite devenir ultra compliqué. Hein. Oui. Genre si t'as besoin... Ça peut devenir un bordel. Je vais faire des plaques de cuivre en attendant parce que c'est... On a besoin tout le temps. Des plaques de fer, pardon. Ouah, c'est trop bien, ça c'est une imprimante 3D. Oh. Là ça sort des... Ah ouais, ça les stocke dans la machine. On va refaire un conteneur. Je sais pas. Non, ça pas paraît besoin. Un peu overkill. Ouais. Là, t'exagères un peu là. Déjà regarde la chaîne, elle est trop longue. Et en plus, il y a un trou après. Ouais, c'est ça en fait, je viens de me rendre compte à quel point ça pouvait être compliqué là, en fait. J'ai eu un petit vertige en mode ah. Ah, quand on va vouloir faire un truc. Ouais. Je comprends les gens qui ont décidé des schémas là sur Twitter. Ah, d'accord. Pourquoi faudra inverser la machine avec l'espace de stockage? L'espace de stockage sert à rien du coup. Pourquoi il sert à rien? Débattez dans le chat parce que quelqu'un a dit que c'était intelligent. Débattez s'il vous plaît. Bah, il nous sert l'espace de stockage là. Bah, il stocke. Oui, oui, non, il stocke. J'arrive pas à... Et quand il a besoin de ressources, et bah il prend. Il prend quoi. Je sais pas. Ouais, ouais, pour l'instant il est en train d'utiliser des ressources. Après, par contre, t'as mis combien de plaques à faire? C'est en illimité ou. C'est illimité. Oh merde, ouais, vas-y, non, calme-toi. J'espère. Que... On va peut-être avoir trop de plaques de fer. Ça en fait 30 par minute. Ah, ça en a fait que 21 là. Ouais, mais on va l'oublier après, on va se retrouver avec 2 milliards de plaques de fer. Oh, tu sais, ça. Ah, attendez, on peut épuiser un. Là, un gisement là, on peut l'épuiser? Quelqu'un a dit que tout à l'heure c'était illimité. Quand c'était impur. D'accord. D'accord. Que faire maintenant? Que faire? Moi je suis très content. Moi je vais arrêter de jouer. J'adore ce qu'on a fait là. Voilà, c'est top. Merci beaucoup. On a fait plein de plaques de fer, je suis super content. Et ben c'était satisfactory. C'était très satisfaisant, on a rien. Voilà, il n'y a plus rien à faire. C'est illimité là, voilà. Incroyable. Améliore le hub. Bon ouais, let's go. Je vais voir ce qu'il faut. Il ne stocke pas, il envoie directement, donc il sert à rien. Bah non, parce que si on inverse, ça va pas stocker. Là ça stocke au moins. Si on met en off la machine de pour construire, ça va stocker. Je comprends pas le raisonnement. Il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Mais c'est mieux de stocker des plaques que des lingots. En fait, ça sert. Ce qu'on a fait, c'est bien si on veut sortir des lingots, non? Si on veut sortir des lingots pour faire des choses nous-mêmes, quoi. Pour moi, c'est plus pratique de sortir des lingots, je crois. Parce que y a quand même pas mal de trucs où il y a besoin de lingots, non? Si on fait tout par cette machine, mais en même temps, cette machine, elle est réglée sur plaque de fer. Apparemment, ça nous servira à rien les lingots. Apparemment, on a plus besoin de plaques de fer que de lingots. Mais ouais. Écoute, pour l'instant, laissons comme ça, et puis si on a un besoin, on changera. Oui, surtout que je suis en train de faire des lingots, donc ça me vexe beaucoup, là.
Alors, je vais améliorer la base. Voilà. Vous aurez jamais Oui, trop de bon, plaques. écoute. Hein. Bah, bon, écoute. On va s'en rendre compte assez vite, je pense. Ah, il y a une machine qui s'est mise en off, qu'est-ce qui se passe? Ah non, hein. Attends, je check la biomasse. Ah oui. Attends. Ça tourne plus. Il y a plus de biomasse? Il y a plus de feuilles, il y a plus de feuilles. Oh, pourtant j'en ai mis plein. Bah non, ça consomme, hein. D'ailleurs, des feuilles, on peut en faire avec le constructeur. Bah, je vais aller en prendre manuellement, mais c'est vrai qu'il faudrait. Là, ce qui serait bien quand même, c'est qu'on ait un truc qui nous donne énergie illimitée. Genre qu'on ait biomasse. Ça existe ça, mais l'un que ça résolverait plein de problèmes dans le monde. Mais ce serait fou, et peut-être qu'on pourrait avoir de la nourriture illimitée. En fait, je sais pas, mais. Si on pouvait avoir biomasse. Tout le temps, ça ferait un problème en moins, quoi. Mais on peut? C'est vraiment bah, un truc pour j'ai avoir vu le constructeur, énergie j'ai vu, limitée. Constructeur, j'ai vu qu'on pouvait en sortir de la biomasse du constructeur. Donc on peut pas sur quelque chose de nucléaire. Comme ça, c'est un peu risqué, comme ça péter. On a de l'énergie. Et puis c'est risqué, on sait jamais. Pour Hop, on mélange péter, le fion en fait. Trop près du truc et paf. Paf la planète. Métal de fleurs. Ah merde. Ah, le nucléaire est prévu mais pas encore implanté. Très bien ça. Relier les biomasses. Non, c'est le charbon. Ouais, apparemment c'est le charbon qui est limité. Faites le même schéma sur le gisement d'à côté pour faire des tiges de fer. Ouais. Ouais, comme ça on aura des plaques et des tiges, ce serait pas mal. Faudrait aussi qu'on le fasse pour le cuivre. Pas mal de choses à faire en fait. Alors je vais stocker des trucs qui me servent pas. Voilà, on est bien, on a beaucoup de lingots. Ça stocke combien dans le constructeur? Max. Parce que là on est à 78, ça va se stopper quand? Parce que là un stockage pourrait être utile, mais. 100? Ouais. C'est là où un stockage pourrait être pas mal quand même. Ou alors ça, ce sera relié à autre chose et du coup. Bon, pour l'instant, on s'en fout, mais. Bah, déjà, je vais récupérer. Parce que c'est cool. Et j'ai regardé ce que. Comment on améliore la base. Putain, j'ai. Je suis un connard. Je vous jure que quand j'ai sauté vers le câble, là, j'ai voulu faire comme dans Apex. J'ai vraiment. J'ai vraiment eu le feeling genre, ah je vais pouvoir le faire. C'est cool. Amélioration up 5. Brûleur de biomasse. Attends, tout à l'heure j'avais le truc pour crafter de la biomasse. Ah c'est ici. Ah, on pourra exporter le brûleur de biomasse et en faire à différents endroits. Genre peut-être plus proche. En faire un là-bas qui sera dédié au truc par exemple. Ascenseur orbital. Faire transiter des ressources. Pour terminer le projet assemblage. What? Scanner d'objets, ça c'est cool. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un scanner. Ah, c'est pour d'autres choses. Balises. Ah, ça c'est bien. On va pouvoir mettre des balises, genre, tu sais, sur le radar, mettre ici c'est notre usine à ça, ici c'est notre usine à... Parce que si, là on peut perdre les choses, mais... Ok. 150 plaques de fer, et ben mon salopard. Ouais, c'est vrai qu'il nous faudrait de la plaque de fer du coup. Putain! La sale. Nous, moi j'aimerais bien avoir du bois là. Eh hey, putain, faudra faire la même pour le cuivre parce que 500 bobines de fil là, putain! Bon, quel. Et t'avais pas dit qu'il y avait un moyen de construire facilement tout ce qu'on venait de faire? Bah, je me suis dit qu'avec le constructeur ça irait plus vite, et effectivement ça ira plus vite. Mais je sais pas, ça va quand même être un peu. Ah, ça c'est va. Là qu'il y a le calcaire! Ça va être un peu long. Bah ouais, je vais prendre du calcaire là parce que j'aurais besoin de. Bah je viens de le prendre. Ah merci. Merci. J'ai le somme. Je viens de vous voler 50 euros. Ah. Pour ça qu'il faut automatiser. Ouais, si on automatise tout, on va aller beaucoup plus vite, mais je sais pas par où commencer, c'est juste ça. Bon bah je vais commencer, je vais faire une foreuse MK1 pour le cuivre. Le stockage du milieu. Et tu veux peut-être que je te passe le calcaire. Ouais. Tu voulais en faire quoi du calcaire?
Bah là j'allais commencer l'amélioration de la base 5, mais ça demande tellement de trucs que je me demande si je devrais pas plutôt refaire une chaîne quelque part. Tu sais quoi? Vas-y, occupe-toi de la chaîne, je vais m'occuper de l'amélioration de la base 5. Ouais, ok. Je vais essayer de refaire une chaîne. Ouais, mais 30 de béton, c'est gourmand. Alors, si on reprend à zéro, retire le stockage du milieu et mets-le à la fin. Celui-là, là... Je sais pas, on a déjà eu le débat tout à l'heure, on s'en branlait. Non, on s'en branlait pas. Je peux le retirer là, ça va pas... Ça va péter... Le jeu il va péter un plomb si je le retire maintenant là. De même pour... Si je décrafte un truc où il y a des choses dedans, ça va faire quoi? Non, un deuxième stockage quoi? Oh, vous cassez les couilles. Eh... Ouais, vous cassez les couilles. Au pire de stockage. Ouais. Certes. Ouais, bon. Ouais. Ok, ensuite, 500 de fil. Putain. C'est gratiné de faire ça. Bon voilà, ça va vous déstresser je pense. Regardez, c'est beau hein. Ok, reprenons avec un mineur MK1. Ok. Mec, 500 de fil électrique, c'est des bâtards hein. C'est long hein, quand même. Les mecs plaisantent pas quoi. C'est vrai que ce serait malin d'automatiser tout ça quand même. Foreuse portable. Oh putain. Vous utilisez cet atelier? Putain, attends. J'ai en train de tout faire là. Vas-y. J'essaie de faire le plus possible de trucs. J'espère que je vais pouvoir atteindre les 500 de fil électrique. Et si c'est pas le cas, bah j'espère que t'as du cuivre un peu dans tes poches. Putain, il m'en manque 20. Bordel, la petite bite que je suis. Alors attends, j'arrive. Je vais faire 3 bobines pour moi. Et je vais te dropper du... Tiens, puis donne-moi des plaques. Des plaques. Attends. Ah mais attends, il y avait du cuivre là. Plaque de fer. Non mais il y avait du cuivre. Je vais en garder un peu. J'en avais stocké. T'en veux combien les plaques de fer là? Il en faut 150 dans la machine, donc mets-les toi-même. Minerai de cuivre. Oh le con. Ah non c'est bon. T'as fait le fil restant? Non? Bah je vais le faire. Ouais c'est bon. Ah bon? Ah non. Ah non, je restant non j'ai pas fait. Attends, il me faut juste des plaques de fer. C'est bon, il manque juste des plaques de fer là, 137. Je vais les faire. Voilà. Ok, donc maintenant je peux faire une miner. Alors, où est-ce que je vais faire... BAM! Waouh! Ah, je vois pas de modification. C'est le nouvel équipement. Nouveau bâtiment. Le cuivre. Où est-ce qu'on... Oh, regarde! Regarde ce qui arrive! Hey! Bonjour! Oh, ouais. Vas-y, pose-toi. Oh, dis-moi ça là. Putain, ma zone prime dans le futur, c'est ouf. Oh, c'est beau, vas-y. Je sais pas ce que c'est, mais. Tu sers à quoi? C'est cool ça. Alors, où est-ce qu'on va faire du cuivre? En vrai, enfin, un jeu, quand il sort une early access, qui montre qu'il a des couilles. Ah, il est bien quoi. Ouais, ça change vraiment des jeux tout pourraves là, ils donnaient de l'argent si vous voulez qu'on l'améliore. Au moins celui-là, des débuts, il est incroyable.
Future developments should be aimed at constructing the space elevator and thus initiating project assembly. Good luck. Le cuivre, c'est un peu plus loin, mais c'est pas trop loin, j'ai l'impression. Ouais, ça va. On va faire ça là, c'est ok. Ah, c'est pas trop loin, mais putain, va falloir du fil. Hein. Wow. Du bon fil. Du bon filos là. On va faire ça par là. Moi, je peux tirer du fil. Hein. Ouais, non, ça va aller. J'ai ce qu'il faut. Ouais, par là. Ok. Ascenseur orbital. Ah, maintenant faut que je fasse livrer des trucs en attente de ressources. Maintenant il va nous falloir une fonderie. Il faut du impur. Ah, bien vu ça. C'est vrai qu'il faut du impur, sinon ce sera pas illimité. Oh non, mais alors du coup ça va, on va falloir aller loin. Ouais, faut trouver le impur. Ah, ça fait chier, 300 mètres, mais on peut pas aller jusqu'à là-bas quand même. Waouh, mais si je vais à 300 mètres, on va faire comment? Ça ne change rien. Bah. Putain, mais vous êtes. Vous me faites flipper pour rien là. Coussin de gelée d'atterrissage. Garantie un atterrissage en douceur. Quoi? Tu fais des coussins. C'est peut-être si ta base elle est en contrebas, tu peux sauter. Ah, mais t'as raison, c'est peut-être ça, ça se trouve. Bah ouais, je suppose. Par contre, ça sert à quoi tout ça? Parce que moi je veux bien, mais bon. Genre assembleuse. Transforme deux pièces pour en créer une nouvelle. Tronçonneuse. Ouais, donc admettons que je veuille ça. Ok. Et du coup, si on fait un, si on fait tout ça, si on fait une foreuse sur un gisement normal, ça va, ça va avoir plus de rendement que sur ce gisement impur. C'est ça? Mais qu'est-ce que je fais moi? Je fais des plaques de fer. Alors que... Regardez-moi ça. Ah ouais, donc c'est cool qu'on ait trouvé une normale en fait. Ok. Par contre, tu vois, finalement, je veux bien des lingots de fer. Comme quoi, c'était pas une si mauvaise idée. Hmm. Ah ouais, et puis là, il y en a... Bah, c'est en flux continu, donc il y en a pas beaucoup, mais... Je n'ai pas directement des feux dans les générateurs, faisant de la biomasse dans l'établi. Ouais, mais pour en faire de la biomasse dans l'établi, j'ai l'impression qu'il faut du bois, et que les feux, ça marche pas. Ah, j'aurais dû aller là-dedans. Oh, vas-y, tu t'as bien pris des lingots, toi, mon salaud. Ah, je me suis fait plaisir. Non, mais les lingots, il y en avait 50. C'est juste que c'est en continu et j'ai l'impression qu'on. Je sais pas si on dépense plus que ce qu'on a parce que. J'ai l'impression que ça baisse. Ouais, les deux fonctionnent, d'accord. Ah, ouais, c'est vrai, ça fonctionne. Ok. Si t'as des feux. Bah, non, ça fonctionne pas là. Là, j'ai des feuilles, j'en ai 238. Et je peux pas faire de la biomasse. Ça marchait qu'avec le bois. Tu as deux recettes avec bois et avec feuille. Ah ouais, mais comment je sélectionne biomasse feuille? Ah putain, bien joué. Merci. Ok. Fais la même série de machines à côté de la base sans le gisement. Comme ça, tu pourras automatiser les actions de l'établi. Putain, attendez, trop d'informations à la seconde. Attends, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Déjà, j'aimerais bien construire une arme nucléaire pour détruire le truc qui pue à côté de notre base. Oui, déjà, parce qu'on va pas la niquer au couteau, je pense. Ce serait une bonne chose pour commencer. Alors, ensuite on avait dit qu'on... Qu'on faisait... Putain, ma tête. Un constructeur, là je crois que c'est le moment de faire un constructeur.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'ennemis essayer de nous attaquer. Je crois qu'ils ont compris c'est qui le papa. Ils ont vu les machines, ils ont fait ah ouais. Ah, wow, ils sont beaucoup plus évolués que nous. Nous, on fait caca et on mange des feuilles. T'as les mecs sont là depuis un quart d'heure, ils ont fait une usine. Ah. Ah putain! Ah les bâtards! Donc du coup, ouais, on m'a dit de pas faire ça, mais j'ai quand même envie de le faire et de pas vous écouter, parce que je suis un petit con, donc je vais quand même continuer. Vas-y, écoute-toi. Oh, par contre, plaque de feu renforcée, qu'il sache se faire. Bon, alors. Ok. Fil électrique. Oui. Eh ben, c'est allé plutôt vite, hein. J'ai besoin de refaire tout le truc quasiment. Ça va, hein. Ah ouais, déjà? Ouais, ça va. Ça va vite, je trouve. Câble. Bah, faut encore que je fasse les câbles et tout, mais. Les poteaux électriques de bâtard et tout, là. Mais bon. Est-ce que le chat serait pas intéressant, là, du coup, que je fasse un brûleur de biomasse ici, plutôt que d'aller le relier à la base là-bas. Parce que maintenant on peut faire des brûleurs de biomasse avec l'aliment, avec l'amélioration qu'on a fait. Donc ça pourrait être cool de le faire là. Ça c'est cool putain. Ça va être une base indépendante. Le second générateur, ouais, je sais qu'il est relié à rien, mais je peux pas stocker la biomasse dans mon inventaire, donc je la mets sur le côté, comme ça quand j'ai besoin, je transférerai. On dépensera moins de. Plaque de fer renforcée. Putain, c'est parti pour essayer d'en faire 10, mais ça va être chiant. Du coup, on va se faire un brûleur de biomasse, bah là. Et il va être relié à tout un tas de merde. Bah, attendez, comment je vais. Pour alimenter un brûleur de biomasse à l'infini. Comment on crée de la biomasse? Genre avec le constructeur il doit être relié à quoi pour créer de la biomasse en, tout le temps? C'est quoi le. Enfin, en quelque sorte, le gisement de la biomasse? Pas une bonne idée de mettre un brûleur séparé? Tu vois, on peut pas. Donc ça sert à rien en fait. Enfin. Pas automatiser la biomasse. D'accord, donc c'est peut-être pas très intéressant de faire un brûleur de biomasse ici en fait. Je vais peut-être faire des poteaux quoi. Parce que si on a plusieurs trucs de biomasse à alimenter, c'est juste chiant en fait. Autant tout alimenter dans un seul et. Mais on peut augmenter un seul générateur avec sa capacité. Parce que je me dis que si c'est limité à 200 la biomasse, c'est Ah non, faut du charbon. Ok, oui. Putain, il a pris toutes les ressources, le petit enculé. Ça va, je l'ai fait il y a longtemps quand même. Bah, ah ouais, c'est parce que vu que c'est tu continues de faire des plaques, en fait, ça stocke jamais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, quand je veux des lingots, je fais comment moi? Trop coûteux, putain, le bordel. Ah bah non, mais je suis con, j'ai pas besoin de lingots, puisque. Ah bah si, j'ai besoin de lingots pour faire des vis. Ah, j'ai plus de fil parce que je suis un connard. Parce que je suis un con. Attendez. Je suis un petit con. Mais non. Après, j'ai une autre question pour vous, mais pas encore. J'aurai une question pour vous bientôt là. Ah merde, les tiges, je les avais oubliées celles-ci. Oh merde. Putain, il m'en faut 95 encore.
T'as des lingots de fer là? Des lingots de fer, j'en ai 18. Bon, y'a bien une foreuse automatique qui est à côté là. Y'a une foreuse automatique qui est en route. Sur le gisement, oui. Oh non. Quoi? Mais le chat, comment, qu'est-ce que je fais avec mon électricité là? Parce que le poteau qui est ici, il est plein. Il a 4 fils sur lui, du coup il veut plus. Et ça c'est très dommage. Bon bah je vais faire un autre réseau, mais c'est pas propre. Ça c'est pas propre madame, ça c'est dégueulasse hein. C'est dégueulasse, on va faire un autre réseau quoi. Ça je sais pas qui vous l'a fait mais c'est du mauvais boulot. Tu mets deux poteaux, ouais mais je sais mais ça me dé... Ah berk, bon bah si vous voulez. Je vous êtes dégoûtant avec vos idées là. Vous me dégoûtez avec, avec ce genre de réseau là. Ouais ok. Bon bah ok ok. On va faire ça. Putain, et puis on se renseignera pour faire une voiture à un moment. Putain, j'en ai ras le cul. Mec, ça va partir de quand on fait une voiture? J'en ai ras le cul. Là, je fais tout ça pour avoir juste une tronçonneuse parce que je suis un mec qui veut juste découper tout ce qu'il y a. Mais. Même pas sûr que ce soit très utile. Pourquoi vous voulez que je change le constructeur de plaque de fer en tige pour faire des tiges? C'est pas grave, je peux le faire manuellement, ça me dérange pas. À moins que là, tout ce qu'on veut y faire plus tard nécessite des tiges, ce que je pense pas. Si c'est juste pour ce que je suis en train de faire, ça me dérange pas de faire à la main. Est-ce que je relie à celui-là ou à celui-là? Je ne peux pas. Donc très bien. Bah je vais aller récupérer un peu de biomasse. J'en ai mis pas mal de côté dans l'autre générateur qui est off. Oh bah qui est on maintenant puisque je crois que tu l'as relié. Ah. Ah oui en effet. C'est très mais bien oui, ça. Oui j'avais déjà complété. Hop, et c'est parti. Et hop. Oh lancé. Ah t'es prêt? Je sais pas ce qui va se passer mais c'est parti. Dégagement d'obstacles. Regarde. Elle va partir chercher un nouveau truc, la capsule. Je vais donner des ressources. Elle va aller dans le vaisseau mère. Elle va chercher quoi? De quoi faire une tronçonneuse. Ok, bah trop bien. On pourra couper les arbres. Oh, c'est génial. Au revoir. Regardez, elle va chercher une tronçonneuse. Waouh, c'est trop cool. Faut que je fasse un stockage. J'attends de voir si le jeu est bien fait, que ça va disparaître vraiment bien ou si ça va faire. Ah, oh, ça marche bien. Je peux le faire. Oh putain, c'est bien fait. Putain, il est lourd le jeu. C'est rare que. Je pensais pas que tu vois, il serait satisfaisant comme ça dès le début. Parce que. Généralement, quand les jeux sortent en Early Access, ils puent la merde. C'est des génies de l'avoir appelé Satisfactory quand même. Oui, du coup. Parce que c'est vrai que ça marche. Ça marche quand même pas mal. Après, j'espère que ça va pas faire. Enfin, forcément aussi comme Raft où finalement on va tout faire assez rapidement au point ouais. Où on se dira en mode bon bah. C'est possible. Après, tu peux toujours le refaire différemment d'une manière plus maligne, mais je suppose qu'ils vont ajouter des trucs. Et quelqu'un a dit tout à l'heure dans le chat, j'ai vu passer qu'apparemment on est sur cette planète là en mode station pour repartir sur d'autres planètes. En fait, ça se trouve une fois que je sais pas, t'as peut-être un objectif et quand tu fais tout, paf, tu repars sur une autre planète et. Ouais. Je sais pas encore comment ça marche. Ah mais il y a un gisement ici, c'est un gisement de quoi? Minerai de fer, normal. Je vais refaire mon truc là, c'est pas bien ce que j'ai fait. Et il arrive dans combien de temps? Ah il y a le chrono, d'accord, j'avais pas vu. 3 minutes. Trop coûteux. Ah bordel. Ouais, ouais c'est plus propre que je fasse un poteau ici qui part vers les 3. Je trouve. Quoi?
Ah mon dieu, mais les pots qui puent là. Ah oui, il est déjà relié. Comment on délie un filet? Je suppose que ça se gère là-bas. Bon, ça se gère peut-être d'ici en fait. Ok. F et Déjà vise le full de câble. masse. D'accord. Très bien. Ah d'accord. Et bah c'est fini pour le cuivre, c'est bon. Plus de problème de cuivre. C'est bon, on peut avoir du cuivre illimité? Ouais. Ok. Alors normalement là on peut faire une tronçonneuse. Constructeur, on va faire du fil électrique. Fil électrique. Ouais. Ça doit être là-dessus qu'on peut faire la tronçonneuse, Et tu pourquoi là penses? du coup ça? Du lingot de cuivre. Ah ouais, tronçonneuse. Et Ok. voilà, c'est parti. Rap, rap et Mais t'as vu qu'on rap. pouvait faire tout ça? Scanner d'objets, balise. Ouais. T'as vu qu'on pouvait faire ça? Ouais, c'est les nouveaux équipements. Du coup, les Ouais. scanners d'objets, je sais pas ce que ça fait par rapport à ce qu'on a. Scanner Putain. d'objets. Yes. Ah, y a pas la définition. Hop, fil électrique en masse. Plaque de fer renforcée, 25 tiges de fer. Putain, trop bien. Vive l'industrie, bordel. Ah, oh, quel monde. Quel monde. Ah, j'ai envie. Voilà, je me mets dans mon siège et. Ah, oh, j'ai fini. Fait du bien de voir ça. Le pod va bientôt arriver. Dans 30 secondes. Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce qu'on pourrait imaginer que je fasse par exemple un deuxième constructeur ici et que ça, je double la sortie. Que la sortie aille à la fois là et là. Ah oui, mais en même temps, j'aurais peut-être pas assez pour faire ça. Parce que j'aimerais bien par exemple là. Là, je fais des fils électriques et là, par exemple, je fais des câbles. Je sais pas, par exemple. Oui. D'accord, je peux diviser le. Et après, je me demande s'il y a assez de rendement pour faire ça, par exemple. C'est là où je Milestone suis. exchange concluded. Fixed freighter re-entry J'ai peut-être pas assez de complete. rendement avec la fonderie pour gérer deux constructeurs. Faut un splitter. Ouais. Et je suppose qu'on n'a pas encore les splitters. D'accord. Deux fabricateurs sans problème pour une mine. Très bien. Donc j'attends d'avoir un splitter et après je pourrais varier la production quoi. Parce que là on a que des. Ouais, on pourrait faire des câbles. Ce serait intéressant. Je pourrais tout refaire pour le calcaire, mais le béton on l'utilise pas beaucoup pour l'instant. Donc le calcaire, bof. C'est pas. C'est vrai que le calcaire pour l'instant c'est pas un truc dont on a besoin vraiment beaucoup. Non. Alors, tu fais quoi J'essaie de me crafter une tronçonneuse. Mais vu qu'en fait le truc Ok. il drop pas des lingots de fer et que des fois j'en ai besoin, pour gagner du temps je pourrais changer à chaque fois ce que construit la machine, mais j'aime bien faire à la main. Qu'est-ce que je ferais moi? Encore améliorer la base? Ça peut être pas mal. Pour avoir notamment un splitter. Les tiges de fer, c'est vrai qu'on a souvent besoin. Ouais, j'en avais pas mal besoin tout à l'heure. Mais ce serait cool d'avoir un splitter pour le faire sur le même gisement quoi. Même si c'est un gisement impur, donc peut-être qu'il pourra pas gérer le. Ok, normalement là je peux faire une tronçonneuse. Balise, tronçonneuse, scanner d'objets. Ok.
Et les tiges de fer actuellement, ouais, c'est un truc avec du fer quoi, c'est. Faites l'ascenseur orbital, mais ça je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pour faire un tour dans le vaisseau mère comme ça en ascenseur. On peut pas le faire encore. Je sais pas, je vais y raconter ça n'importe quoi, ça doit pas être ça l'ascenseur orbital. Peut-être. Ah si. 160 vis. C'est pas ce que t'as fait. T'avais pas fait un ascenseur. Ah non, c'est pas ce que t'as fait ça, c'est pas le truc qui va dans le ciel. C'est juste quand t'avais amélioré le hub. Tu dis n'importe quoi. C'est ridicule. Faire transiter des ressources pour terminer le projet assemblage. Oh, puis si passe-moi du fer, il me manque juste de quoi faire des vis. Des lingots de fer ? Des ouais, plaques de fer ? Oh, lingots de fer. Oh, merci. Non, je vais pas le faire maintenant, je pense que c'est beaucoup trop cher déjà et puis. Pas sûr que ce soit. Je réfléchis. Tu as un deuxième gisement de fer à côté de l'autre? Ouais, c'est vrai. Il y a un autre gisement, ouais. Bah, je vais refaire une foreuse. Et on va faire des tiges de fer. Voilà. Ouais. Mais il faudrait que ce soit acheminé assez tout au même endroit pour pas qu'on ait à courir à chaque fois aux foreuses. Tu vois, ouais. Rapprocher, centraliser un peu ce que ça. Avoir un coffre avec toutes les ressources qui tombent, quoi. Oui, donc en clair, ben. Faire des grands tapis. Ouais, je vais automatiser les tiges de fer et après. Je vais réfléchir à ça. Ah, l'ascenseur orbital, c'est pour continuer à améliorer le hub. D'accord. Ok. Je fais les tiges de fer et après je fais l'ascenseur, je pense. Ah, enfin, c'est bon, j'ai la tronçonneuse. Par contre, on peut sélectionner les objets qu'on veut faire correspondre au numéro en bas. Ah, je sais pas. Parce qu'à chaque fois, si je suis obligé de drag and drop sur moi. Oh non. Oh non, qu'est-ce qu'il lui faut à la tronçonneuse de merde. Mineur MK. Il faut du biocarburant. Oh non, c'est une blague. Putain. Mais je sais pas comment on obtient du biocarburant. Oh putain. Ah ouais. Non, vas-y. Ah, on n'a pas encore débloqué le biocarburant. Je fasse pour le calcaire aussi. Urgh. Ok. Ah putain, mais le fil, voilà, j'en ai masse, mais faut que j'aille tout là-bas. Ok, faut qu'on. Bon, bah, je vais choisir le biocarburant pour les fondamentaux. Oh merde, il faut 150 plaques de fer, 150 tiges, 500 de fil électrique. Oh. Là, t'as 200 plaques de fer ici. Là-bas, tu veux dire, y a, là où il y a l'usine. La foreuse. Ouais. Tu sais quoi, je pense qu'on devrait faire. Je vais peut-être le faire. Des convoyeurs. On a des convoyeurs. De quoi faire du cuivre ou pas ? Oui. Ok. Et on peut augmenter le réservoir de biomasse ? Ça, je sais pas. Par contre, alors oui, le cuivre. Pour l'instant, je fais que des bobines de fil. Donc le cuivre est pas stocké. Là on peut mettre que 200 de biomasse, c'est chiant. C'est vrai que là le cuivre il part directement, j'aurais dû faire un stockage je pense. Bon, je fous la biomasse dans le coffre. En attendant. Ouais, ok. Sur le câble égale tyrolienne, mais non. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je...
Oui. Je réfléchis. Tu peux récupérer les stacks de 100 lingots de cuivre dans la machine. Ah ouais. Tu utilises l'établi là-bas. Ah non, c'est bon. C'est bon. Putain, elle est monstrueuse cette tronçonneuse. Oui, mais enfin bon, il faut du butin de biocarburant de mort et pour ça, ça demande énormément de ressources. Ah, l'établi est occupé. Ah, tiens, ça va être sympa. Hop, ça va pas prendre longtemps. Voilà. Bon, je vais faire mon usine de... Ah non, je voulais faire des... Est-ce que je fais une usine de calcaire ou de tige de fer? Mmh. 150 plaques de fer, putain. Allez chercher, ça ira plus vite. Putain, j'aimerais tellement avoir des doubles sorties là, ça me frustre. Ah non, mais je sais ce que je voulais faire. Je vais faire une deuxième usine de fer. Ouais. Oh, je pourrais tellement tronçonner cette merde. Allez, je fais les tiges. Ah ouais, il me faut des tiges, frère. Ah frérot, t'inquiète pas, je suis en train de te faire une usine là. Pour l'instant. Mais ça va prendre un peu de temps. Un tout petit peu de temps, ouais. Putain, ouais, c'est exactement ça qui me manque, toujours des tiges quoi. Putain. C'est vrai que... Quelle merde. Ah les tiens, toujours aux bons établis toi. Ah putain. Toujours sur les bons coups. Quel enfer. Vas-y, c'est bientôt fini là, ça va en deux secondes, regarde. C'est fini, chercher du cuivre. Ah merci, un plaisir. Eh bah ça bosse dur là. Putain, j'ai jamais autant bossé de ma vie. C'est sûr que c'est pas avec le métier que tu fais que tu vas bosser. Ah bah ça, ah bah pour une fois ils bossent, les deux cons là. Les deux cons. Enfin. Eh mais attends, il me fallait du fil électrique, c'est parfait. Voilà, ah bah, je peux te dire qu'il y a un stock. Hein. Ouais, t'as fait une usine de fil électrique finalement. Un peu ouais. Pratique. Putain mon cerveau. Ok. Il ouais, faut bien l'hydrater. Hein. On va bien hydrater. Constructeur. Ah, ça c'est chiant. Plaque de fer renforcée, c'est juste chiant quoi. C'est juste de la merde. La plaque de fer renforcée en plus, c'est vraiment bien bien chiant à faire. Ouais, ouais. La grosse merde. Et c'est parti. Hop, on envoie le bousin dans l'espace. Et on a les fondamentaux disponibles maintenant. Ouais. Alors, biocarburant, pitié. Juste de la biomasse. Bah je vous la fais ma petite dame. C'est parti. Ils apprennent enfin un vrai métier. Chien. Bande de chien. Et voilà, putain, on se fait du carburant à plus savoir quand. Eh faire. Putain, les tiges de fer, ça va faire du bien de les avoir. Oh, on est marre. Je m'en fais peut-être un peu trop là. Oh putain, après tout, je me suis fait chier à le faire. Les tiques ont fui. C'est vrai qu'elles ont fui, on les voit plus les tiques. Bah, elles ont compris aussi, les connes là. Qu'est-ce qu'elles sont connes. Putain, t'as vu quand elles marchent là, il y a bruti. Ça, juste après là, que j'ai fait les tiges de fer, je pense que je vais faire une machine pour les exterminer. Hop. Ah, c'est bon, je peux découper tous ces putains d'arbres maintenant. Oh, je vais déforester. C'est parti.
Ah, ça bug, ah. C'est de la merde. Nique la forêt. Voilà, il y avait peut-être des petits animaux qui se baladaient dedans. Oh, la perspective. Mec, j'ai trouvé de la matière noire. Comment ça? Une Mercer sphère. Attends, mais je suis où là? Putain, je me rends pas compte du tout. Quelle merde! Oh putain, l'enfer! Tu te souviens de la forêt qu'il y avait à côté de chez nous? Ouais. Mais y'en a plus. Putain. Attends, là je suis en face, c'est logique, non? En plus, le contrôle il marche pas. Ah, genre là, ça me dit que c'est aligné. Ah ouais, c'est bon. C'est juste les carrés, ils sont pas... Okay. Je sais que je dois faire contrôle, mais des fois j'ai l'impression que ça marche pas. Mais en fait, si. Ça marche bien. Et si vous aussi vous enculez Greenpeace, tapez 1 dans le chat. Yes. Salope. Avec vos principes à la con, là. Rien de tel que le profit. Est-ce que l'écologie c'est aussi satisfaisant? Je crois pas, non. Je crois pas, non. Ouin ouin, on protège la nature. Nique la nature! Yes, on va faire des tiges! Et puis c'est tout! T'as de cons là, avec leurs idées. Alors. Ouais, eh, ça va, comme dirait Coca, les arbres ça repousse. Voilà. Des câbles. Ah, c'est chiant. Oh putain, je t'ai dégagé la vue. C'est bien parce qu'on voyait, on voyait mal, je trouve, à cause de toute cette nature. Là maintenant, au moins, on voit ce qui se cache derrière. Là, c'est très clair. En plus, fais voir ça. Bon, ça consomme presque rien en biocarburant. Alors, putain, je comprends plus rien. C'est bon là. Ça fort. Oh là, mon jeu il a crashé. Oh non. Non, 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 non. Oh non, le serveur aussi. Non. Oh, j'espère que ça va sauvegarder. C'est bon, c'est revenu. T'es sûr? Je fais tellement de production, mec, il a pété un plomb. Ah, c'est bon, oui. Je sais pas, ça me donne plus de ressources. Ah, cette place. T'inquiète donc pas. Ça a disjoncté. Oui, ça fait. J'ai reçu un email, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, peut-être qu'on utilise trop d'énergie. Eh oh les petits gars là. Vous pouvez arrêter un peu là. Les gars, vous avez tout pompé, bah c'est malin, c'est niqué maintenant. Oh putain, ça consomme tellement. J'ai disjoncté ou j'ai... C'est Greenpeace. Qui a envoyé un email. Eh oh, eh oh. Attends, mais pourquoi ça a disjoncté? Elle est cassée. T'as pété tout, sale con. Y'a le deuxième truc. Ah ouais. Activer le levier pour initialiser le fusible. Ça disjoncte à chaque fois. Pourquoi? Mais tu consommes trop du cul. Eh sa mère. Je consomme tellement que... Ajouter un générateur. Ouais. Ouais, bon, d'accord. Non mais là je vais te faire de la biomasse, mais tu vas vomir de la biomasse. Oh, fais chier. Relie les poteaux. Des deux générateurs. Oh, ça doit pas marcher comme ça, non? Enfin, j'en sais rien. Genre celui-là et celui-là. Ah mais je peux pas, celui-là il est full. Celui-là il est grave full. Mais pourquoi il est full d'ailleurs? Attends.
Ah mais c'est de la merde. Thomas, j'ai un problème. Quoi? Il y a trop de biomasse. Ben ça va, c'est pas trop un problème. Oui, bah je sais pas où la foutre. Bah vas-y, en gros, faut que je refasse un générateur, non? Je vais faire un parc de brûleurs de biomasse. Vas-y. Bah vas-y, hein. Parce que j'ai de quoi en faire. Vas-y. Ah ouais, mais par contre, bah du coup j'ai pas de tige parce que ma machine elle est cassée. Après, si le biocarburant peut remplacer la biomasse des générateurs, ce sera encore mieux. Parce que je pense que c'est, ça épuise moins de trucs à la minute. Ça doit être plus optimal. Attends, si je... Attends, peut-être que... On est en train de me dire que je peux peut-être faire ça, donc... Parce que là, mec, j'ai tellement de trucs, c'est horrible. Ah, on me dit que je peux vraiment remplacer par... Bah, tu vas être fier de moi. Je vais faire tenir les générateurs pendant 10 ans. Attends, je crois que je vais refaire tout le réseau électrique. Ouais, t'as tout niqué? T'inquiète pas, y a plus rien qui va marcher. C'est ce que je vous disais, tout à coup, ça fait juste... Il y a EDF qui va... Les gars, c'est pas parce que vous êtes sur notre planète qu'il faut pas payer ses factures, ce que je vois là, c'est pas depuis 2017. Voilà. Non. Quoi, non? C'est pas grave, non, si je centralise tout sur celui-là. Relie-les, mais je peux pas les relier entre eux, ceux-là. Oh, attends, faut que je fasse des... Quoi, non? Tu peux me laisser les tablitus pour que je fasse des... Je m'emmerde. Alors on va remplacer, voilà, par du biocarburant. Eh, ça marche. Par contre, no connection, bah oui, faut que tu refasses le réseau électrique. Ouais, y a pas de soucis, ça vient. Je suis un peu embarrassé, mais ouais, effectivement, y a plus rien qui marche. Ok. Putain, ça, c'est bénéfique de déforester. Okay. Ouais, ça, par contre, ça va être très long. Je peux pas crafter automatiquement le biocarburant. Alors, j'ai créé un troisième générateur. Bon, c'est pas grave, je vais m'occuper d'abord de faire les fils. Dis à Link de relier les deux générateurs sur un poteau. Comme ça, il génère plus que la demande, du coup, tranquille. Bah là, j'ai relié les trois générateurs sur un poteau. Ah, bah ça devrait être bon. Donc, je pense que ce que je fais est pas trop mal là. Oh, te jette pas des fleurs non plus, à mon avis t'as fait de la merde. Franchement... Me confier le réseau électrique à la base c'est... c'est une idée un peu... Un peu saugrenue. Et donc là... Je vais relier celui-là à celui-là et celui-là. Ou j'en fais un nouveau poteau peut-être. Bah je t'ai mis du fuel dedans en tout cas. Est-ce que je fais un nouveau poteau ici? Ah merci. Est-ce que je fais un nouveau poteau ici? Puis je divise comme ça on... Ouais. On fait un poteau qui... Voilà un poteau. Ça c'est le poteau. Ouais. Voilà. Tac. Tac. Tu peux faire une caisse de stockage de biocarburant ou un truc qui fait que je pourrais stocker du biocarburant pour éviter d'en remettre à chaque fois. Je sais pas... Tu vois ce que je veux dire. Une caisse de stockage. Un truc qui fait que je pourrais mettre beaucoup de biocarburant et si possible un truc qui fait qu'on aurait pas besoin d'en remettre je à chaque t'en fois faire en fait. Un. Juste là ce que j'ai fait c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, du coup je vais pas faire comme ça en fait. De biomasse, ouais, bah j'ai déforesté une forêt, les gars, forcément. Voilà, ça me semble ok ce que j'ai fait. On est pas mal. Par contre, pour le cuivre,
Qu'est-ce qu'on fait avec... pas pour... C'est pas ok pour le cuivre. Le cuivre, il est là. Mec, c'est quoi ça? MAM. Machine d'analyse moléculaire. Oh. Ouais, mais je suis assez mal à l'aise que le cuivre passe par ça. Ça, c'est mon réseau électrique du fer, j'aime pas. On va séparer, je pense. Je vais faire un genre... un poteau... là... Ouais, non mais c'est bon. Juste, j'aime pas où il est, mais en fait, c'est bon. Je vais le faire là. Admettons que je mette ça là-dedans. Je vais faire... et que j'analyse des molécules. Oh là. Moi je fais un réseau EDF et lui il analyse les molécules. Progression commence... d'analyse. Bah oui, mais je veux lancer l'analyse. J'aimerais bien, mais je peux pas la lancer. Je peux pas lancer la machine d'analyse. Pourquoi? Ah, si, c'est bon. Ok, j'ai lancé une analyse moléculaire de d'une baie des bois. Très bien. Ok, je crois qu'on va réussir. Câble trop long. Sérieux? Enculé! Pardon, excusez-moi. L'ingénieur EDF qui rage là. Attends. C'est bon là, gros con. Ouais. Oh, putain de ta mère. Ça dire. Ça te dire. Oh, c'est un fils de pute. Jusqu'où tu peux aller avant de faire... avant de faire ta princesse, là. Et bah, ben moi, du coup, avec mon tout mon biocarburant, je sais pas quoi faire. T'es content, t'as tout ton. Ouais, j'ai bien déforesté. C'est bon! Le réseau électrique est tout refait. Et rien de disjoncte. Putain. Tout ça parce qu'il y a un fusil qui a pété. Est-ce que tu veux un séparateur de convoyeurs? Ou un groupeur de convoyeurs? Je ne sais pas. Oh! Un séparateur! Attends. Tu veux ça? Ouais, parce que. Attends, je suis en train de réfléchir. Ouais, ah putain, ouais, enfin. Ok, il me faut 200 plaques de métal, 200 tiges et 500 de cuivre. Ah bah, va te faire mettre. Putain. J'ai plus envie, ça me fait chier. Oh bah je vais le faire, mais putain. Attends, je réfléchis ouais. À ce qu'on peut faire. Câble. On peut automatiser le câble. Ouais. Si, mais je voulais le faire pour... Ok, t'as fait un truc pour les tiges aussi, trou de balle? Ouais. Bah ouais, du coup j'ai vachement bossé, du coup j'aurais apprécié ah que ouais, tu m'appelles autrement. T'as surtout pris toutes les tiges, connard! Où ça? Il y en a que 55 dans le truc! Normal, juste après l'avoir créé, ça a disjoncté. Donc forcément... Tu parles d'une affaire? Ouais. Ouais, je vais chercher les... Putain, mais tu veux pas acheminer les ressources, là? Au lieu que je cours comme ça à chaque fois pour en avoir ouais, besoin? Ouais, je vais faire ça, vas-y, je vais faire ça. Je vais... Pouah, c'est... Y a pas plus optimal. Donc là, je vais faire des convoyeurs jusqu'à cette... Oh, puis augmente la production, parce que regarde, là, il m'en faut 500 de bobines de cuivre. Putain, enculé, j'ai l'impression qu'il va devenir patron, là. Fais chier. Puis tu me nettoieras avant de partir, parce que c'est dégueulasse. C'est vrai que les raccourcis clavier sont bien utiles. Faut que j'y pense. Convoyeur de merde. Une prod de convoyeur, bah ouais, ça pourrait être pas mal parce que là, convoyeur ça coûte cher quand même. J'ai l'un qui va devenir gilet jaune tous les week-ends sur Satisfactory. Ouais, bah d'accord, on voulait des convoyeurs, mais nous on a tant de ressources, on peut pas faire n'importe quoi. Ah putain, il manque des ressources, hein. Putain, ok, je vais rien dire, mais. Ah, bien, mais bon, est-ce que je peux pas faire un splitter sur. Attends.
Ça c'est du lin pur. Et ça c'est du lin pur. Un petit truc de stockage pour le biocarburant là. Non, vas-y, j'arrive. J'arrive. Non, mais enfin bon, je te paye pas à rien foutre. Culé, je vais te le faire ton stockage. On peut faire une tour d'observation. Super. Ouais, super, on est chasseur. Tu peux voir toute ta production. Ah ouais, bah après, un bureau de verre ensuite. Oui, je fais des tiges de fer, et voilà. Ah, le deuxième truc est occupé, putain. Putain, mais quel... Bah, tu les mettras derrière quand t'auras fini. Vénère. Je te le fais où ton conteneur là? Il est gros, hein. Oh bah, je sais pas, près des trucs pour qu'on... Si on veut du carburant, on a juste à les mettre dedans. Hmm. Patron, mais ingénieur quand même. Malin. J'ai gravi les échelons. Attendez. Pour stocker des biocarburants, je le fais là, c'est bon. C'est ça que je fais, un conteneur de stockage. Ce serait quand même bien pouvoir augmenter juste la capacité des générateurs, quoi, et que ça accueille pas 200, mais plus. Terra, tu as du fil dans le coffre. Bon, bah, hey, je te fais un truc. Pas bête. Et bah, c'est bien. Je te fais une grosse caisse, voilà. Tu iras me chercher 100 de vos 100 de fil aussi. Non, va te faire mettre. J'ai des projets moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une prod. Alors, je voulais vous poser la question au chat. Est-ce que là, on peut imaginer. Attendez, réfléchissez bien, me dites bah oui, non. Est-ce que je peux faire un splitter ici pour refaire un constructeur qui va faire des convoyeurs? Est-ce que je peux faire ça? Parce que je suis pas sûr. On pourrait pas le faire, Google. Parce que le gisement, je suis pas sûr qu'il donne le rendement suffisant pour faire deux constructeurs, tu vois. Comment tu faisais les splitters là? Justement, les splitters, je suis en train de faire en sorte de pouvoir les créer. Ah. Et pour ça, il me manque les 200 tiges et les 100 bobines. Donc, ça va pas tarder. Vas-y, je vais. Ouais, je te les amène. ça te va? Bon, amène-moi 145 tiges. Ah, et ouais, 100 ouais. Sans bobine. Ouais, ma machine elle va pas aussi vite. combien de bobines? 100. Ça c'est bon. Et 145 tiges. Ça tu peux, c'est trop demandé? Le coût des convoyeurs c'est des plaques de fer juste. Ouais, donc on s'en branle, c'est ça qu'on dit. J'ai de quoi alimenter la base pendant 50 ans. On s'en bat les couilles parce que je fais déjà des plaques de fer, c'est ça qu'on dit. Vous avez raison en fait. Ah ouais, vous avez raison, c'est inutile. Je me prends la tête, maintenant que je vais faire des usines, je vais faire des usines pour des trucs inutiles. Automatise le biocarburant. Mais je sais pas comment on fait ça moi. On peut automatiser un truc qui se crée dans l'établi? Comment tu fais un biocarburant? Bah dans l'établi, à partir de la biomasse. Bah tu peux dans un constructeur. Par contre, d'où vient la biomasse? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Dans ce cas-là, il faut d'abord faire un constructeur pour la biomasse. Bon, c'est compliqué. Parce que la biomasse, pour la faire, il faut du bois et des feuilles. Je pense qu'il faut juste faire un. Faut faire un constructeur dans lequel tu foutras masse de feuilles, quoi. En fait. C'est ça, je pense. Et non, en fait, masse de. Oui, masse de feuilles et un autre masse de bois. C'est compliqué. En gros, on va faire un stockage dans lequel on va mettre des millions de feuilles. Relié à un constructeur qui va faire du biocarburant en permanence. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Moi je pense pas. Ouais, de ouf. Qu'est-ce que je voulais faire? Il est chiant. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Putain. J'ai oublié ce que je voulais faire. Rappelez-moi là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire quoi? Des convoyeurs. Ouais, mais c'est pas clair dans ma tête. Si, c'est clair. Noix de béryl, carapace extraterrestre. Ouais, je vais analyser ces trucs là en attendant. Du coup, j'ai pas fait beaucoup de convoyeurs, je vais voir comment ça marche. Donc là, si je fais un stockage à la base, il est inutile que je laisse ce stockage ici. Ça fera juste un stockage à un stockage, c'est ridicule. Du coup,
Nique sa mère. Bonjour. Ok, donc là ça bloque, c'est normal. Ok, faut faire un constructeur qui transforme le bois en biomasse qui est relié à un autre qu'on transforme en biocarburant. Eh ben je vais faire ça. Alors, comment construire un constructeur? Comme ça? Il me faut quoi? Putain, j'avais été sûr que c'était pas si simple que ça. Donc là c'est toujours bon là. Le convoyeur est trop long. Ah ouais. Il manque 3 métals renforcés. Donc on est d'accord le chat. En gros je vais faire ça jusqu'à la base. Voilà. C'est tout. C'est ça qu'on fait. Et est-ce que à un moment, genre, on pourrait imaginer que ici les trois convoyeurs vont se rejoindre en un seul ou pas, ou c'est mort, ou faut faire trois. Mon pauvre. Ah, est-ce que je peux faire un truc, genre, je peux pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh putain. Oh sa mère. Yes. Alors attendez, c'est ultra stylé. Je vais faire des tapis roulants qui vont partir dans le ciel, mon gars. Quoi? Ça, c'est... Ah ouais. Oh là, qu'est-ce qu'il est en train de me faire celui-là là? Pourquoi il y a plein de bobines ici? Salut. Je fais des trucs. Merde. Voilà, tu vas m'acheminer tout ça, c'est pas beau. Quoi, tu veux que je mette un petit cache autour pour que ce soit joli? Oui. C'est ça. Comment je le... Mais mec, c'est... T'as cru que t'étais à Chamonix ou quoi? C'est pas un téléphérique? Ça va être trop bien. Par contre là du coup faut que je mette un poteau ici, c'est ça? Un pylône ici? Pour le relier. Oh c'est pas du tout aligné là. Ah, c'est déjà un pylône, effectivement. Du coup, faut juste qu'on voit jusqu'où ça peut aller, ça. Je l'ai juste fait un peu loin de tout à l'heure, en gros. Ouais. Imaginons, je vais... Moi, j'ai envie de faire un truc comme ça, là, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais... Hop là! Au final, tu m'as jamais apporté mes tiges, au final. C'est vrai, non. Oh le con. Ouais. Comme tu dis. Ouais, le gros con, ouais. Le con, ouais. Parce que moi j'ai besoin de bobines, comment je fais moi? Mais j'ai rien pour regrouper trois tapis roulants pour l'instant. Ah bah parce que justement t'as besoin de mon truc. Ouais. Je pense que eh bah bien. Ouais du con. Tu peux le faire. Tu peux. Mais juste... Putain j'ai besoin de 100 bobines. T'as ça, pas 100 bobines là? Ça me plairait grave que tu juste tu le fasses. Ouais, si j'ai pris, si des bobines j'en ai masse. J'en ai non, 300 c'est bon, c'est bon. J'en ai 300 des bobines. J'en ai ras la casquette. Mais t'es bon, je dois réfléchir. Je dois bon. Imaginer j'ai fait ce que je devais faire. Pas besoin de toi. Rip le live à terra, t'as crash apparemment. Pourtant ma connexion a pas crash, alors bah là je comprends pas. Là on comprend plus là. Ah ça va être trop bien. Je vais faire un. En gros, je vais faire venir hop les bobines ici. Et à partir d'ici les trois vont se. Je vais faire un pylône ici genre. Et c'est parti, c'est bon, tu peux construire ta connerie. Yes! Je vais faire un pylône ici.
Putain, le taux de rentabilité du biocarburant est exceptionnel, merci beaucoup. Comme ça, et les trois vont se relier dessus quoi. Ça va être trop bien. C'est bon, c'est revenu. Ton live est revenu. Ouais, je sais, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, le truc Twitch, donc ça veut dire qu'il marche pas. D'accord. Ah oui, la fameuse invention. La fameuse invention Twitch. Ah. Et donc, je voulais faire mon constructeur. Donc, mon constructeur, il me faut. Putain, du fil. Ça sert absolument à rien ce que j'ai fait là. Je vais pas le faire. Je le ferai plus tard, du coup. Mais mec, quand je veux des dingos, je fais comment? RIP. Ouais, fil électrique, bah ouais, fil électrique, c'est du cuivre. Tige de fer. C'est lent pour les tiges de fer. Convoyeur est trop long. Ah, ta mère, putain. Bon, je vais faire des ajustements, je pense, hein, mais... Des broutilles. Des broutilles, ouais, tout ça. Il est super bien ton tapis roulant, là. Hein? Il est super bien ton tapis roulant. Ouais, là. Et là, les trois vont se regrouper, et zla, jusqu'à la base. Ça va être trop bien. C'est extrêmement moche de les faire passer partout par là, mais d'accord. Non, non, mais tu... Toi, le tu mec, dois avoir mec... un câble management à faire le finir mec... les je suis en train de faire un truc insane. Il me chie à la bouche. Putain. Donc tu bah, vas non, vraiment faire ça là. Donc là tu vas vraiment faire ça. Non mais ça va, c'est sympa à regarder. Bon. Alors comment ça s'utilise un groupeur de convoyeur? Ah je peux faire du morse. Ah genre je peux le. Je vais plutôt faire. Je vais plutôt faire. Je vais plutôt faire. Donc là, je... Donc j'aimerais. Il me faut du béton, frère. Frérot. Putain, faut que j'aille là-bas pour le béton. Il me faut des plaques de fer renforcées. Viens, tu m'en fais une. Je suis un peu occupé. Ok. Un petit peu. Mais peut-être qu'après. Je te mets sur ma to-do. Je suis coincé. Oh putain, j'ai construit un convoyeur dans ma gueule. Merde. Il me manque une plaque de fer renforcée, vas-y, fais pas le crevard. Mais je vais en avoir une en plus. Attends, j'en ai peut-être une. Ouais, j'en ai une. T'es où? Oh. Ouais, attends, garde là. Vas-y. De toute façon, j'arrive bientôt parce que mon convoyeur, je peux te dire qu'il... Ah, c'est moche, il passe dans l'herbe. Ah, j'aime pas. Bon, c'est pas grave. Chier. Vas-y, plaque de fer renforcée, je suis al. Attends, non, je suis pas là. Ah, si, t'es là. Ah, t'es là. Tu peux jeter? Ouais. Ah, j'ai peur que ça drop juste à tes pieds et que ça jette pas en fait. J'ai peur que ça drop mal. Oui. Ah! Je suis tombé! Parfait! Elle est là! Elle est juste oh, là! Oh quoi, sérieux! Je remonte. Putain, sa mère. Oh non. Ah, c'est bon, je l'ai eu! Vas-y, j'ai sauté. Alors, du coup. Je peux faire mon constructeur maintenant. Ouais mais le constructeur il va me faire d'abord. Ok. Il va me sortir du. Ah il me faut deux constructeurs en fait.
Il faut que ce soit relié à un stockage. J'ai peut-être pas besoin de monter aussi haut, non? Merde. Attendez, je vais réessayer. Si, fallait que je fasse un... J'ai eu un doute là. Si je fais juste ça, ça passe, non? Merde. Je crois que ça passe. Ouais. Ouais, voilà. Ok, c'est plus propre. Maintenant, on va se faire un pylône qui, de manière logique. Sera là. Et ensuite, il faut que je prenne un autre constructeur. Ah, sa mère! D'accord. Pardon. Je n'aime pas travailler bruyamment. Bah. Mais là, ok, il me faut un... Putain, mais je peux pas construire un autre constructeur quand même. Bah si. Oh, putain. Hey, frère, tu peux me repasser 3 plaques de de fer en fer. Putain de schlagos là. C'est chiant à construire. Là, j'en ai plus par contre. Oh putain, mais c'est trop chiant à construire. Alors, tu peux pas automatiser la construction de plaques de fer renforcées. Où est-ce qu'on va mettre Ah bah faut que je peux refaire une usine, mais là je pense que... Mais en plus je sais même pas si les constructeurs font... Où est-ce qu'on va mettre le stockage? Il y a un problème, les plaques elles bougent plus, je crois que t'as fait une connerie. Non si. Non, c'est normal, c'est... j'ai pas fini. Où est-ce que je mets le stockage de toutes les ressources? Bah dans un conteneur de stockage. Ouais, mais je veux pas le mettre n'importe où. Parce que là c'est plutôt le côté carburant. Près de la base. Plutôt là. Pas à côté, forcément à côté, on s'en bat les couilles. Du moment qu'on fait pas 500 mètres, franchement, tu peux même le faire plus loin, tu vois, genre. On va dire ici. Vers là où je suis, tu vois. Là, okay. On se balade souvent. Oui, ça va, on est pas mal. Là, je le fais là. Ouais, ouais. Rien qu'en bas, en fait, là. Juste en bas du truc, c'est bien. Tu vas la cheminer. Ah, d'accord. Je préfère que ce soit bien près de la base, ouais. Ok. Et voilà, ça y est! Putain! Putain, ça y est, c'est acheminé. Ah, il y a tout qui arrive là. Les tiges. Bah, oui, mais il faut plus de trucs maintenant. Les tiges, les plaques. Eh, tu peux séparer le fil et faire construire des trucs différents. Dis oui. Comment ça? Ah, genre un constructeur qui sort plusieurs trucs? Non, enfin, tu vois, par exemple... Attends. Attends, d'abord je fais ce que je veux faire et je... Ah, tu veux faire 3 containers différents? Non, attends. Ok. Logistique. Non, c'est pas logistique, c'est dans organisation. Temps de stockage. Je remets mon truc ici. Comment ça, mauvais sens? Y'en a un qui va pas. Ok. Ça, je démantèle, constructeur, parce que de toute façon j'en aurais pas besoin, apparemment ce que je fais ça sert à rien. Je vois pas de mauvais sens. Hein. Alors, tu vois quand t'es au tout début de la chaîne d'alimentation là. Ouais. C'est-à-dire que quand tu extrais le fer. Ouais. Là il passe par un constructeur. Non, c'est une fonderie, ok. Là il passe par le constructeur. Ouais. Est-ce que tu peux séparer ce qui sort du conteneur pour avoir un deuxième constructeur ici, qui construira autre chose? Oui. Ok, bah alors je vais faire un constructeur là. J'espère qu'il y aura assez de rendement, parce que en fait on a le problème qu'on commence à avoir, c'est qu'on a un rendement faible. Bah ouais, mais on a pas le choix, tu veux faire comment? Ou alors je veux bien, mais faut refaire tout le système là-bas, parce que là-bas il y a une exploitation de fer normale. Ouais. Soit on fait un splitter ici, ce qui est pas du tout compliqué, mais juste ce sera peut-être un peu lent. C'est pas grave, à la limite, tu sais, vas-y. Mais vas-y, on peut le faire sans problème, ça. C'est juste... Parce que si on peut produire un autre truc, là, parce que... Là, on a que des plaques et des tiges. On fait un truc comme... ça... Attends, juste là... Déjà, putain, on veut vraiment ce stockage, là? Non, ça sert à rien, regardez, y'a rien. Y'a rien, ici. Le stockage, il sert à rien, il transfère, en fait, directement... Il sert à rien. On va faire un groupeur de convoyeurs, ici. Un séparateur de convoyeurs. Euh,
Ouais, parfait. Et là, je vais faire un constructeur, attends. Pourquoi ça marche pas là? La forme du convoyeur n'est pas adaptée. C'est-à-dire... J'ai fait une connerie? T'es pas aligné? Ok, et celui-là, on va. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? À part des plaques de fer et des tiges de fer, on a besoin de quoi généralement? De vis. Des vis, ça me fait chier des fois. Ouais, les vis, ça permet de faire des plaques en fer renforcées. En vrai, c'est des plaques en fer renforcées qui me font chier, et pour ça, on a besoin de vis. Donc. On va lui faire construire des vis. Ah, ouais, putain, je suis con. The fuck? On peut pas faire cette courbe là. Mauvais sens? Ah, j'ai construit mon constructeur de mauvais sens. Attends, bouge pas. Ah, c'est pour ça, putain. J'étais en mode what? Tu peux le faire plus près hein, si tu veux pour que. Bon, en vrai, non, ça change rien. Attends. Hop. Enfin, ouais, parallèle à l'autre, c'est pas mal. Je voulais le faire parallèle à l'autre, mais on s'en fout en fait, on peut le faire plutôt comme ça. On s'en branle. Essayez de ne pas être satisfait. Waouh, c'est classe. Par contre, là, tu vas faire comment pour... Du coup, ouais, il y en a deux fois moins de chaque côté, mais voilà. Ouais, mais surtout, tu vas faire comment pour relier au tapis? Parce que là, il est pris des trois côtés, celui-là. Faut que tu mettes un autre splitter. Ouais. Mais ouais. Par contre, où ça? Ici? Je vais le mettre là, je pense. Ah, pour que ce soit relié? Ok. Ouais. Y a pas des poteaux pour les... Les vis avec les tiges, pas les lingots. Ah! Attends. Ah donc du coup, celui-là il servira à rien, à part à construire... Non, rien. Ah non, ouais. C'est la merde. En fait, ça sert à rien, ça. En fait, on peut faire que des plaques de fer et des tiges de fer avec les lingots. Donc ce constructeur sert à rien ici. Pour faire des vis, il faut relier aux tiges. Donc. Ah putain, mais on n'a pas le choix. Si on veut des tiges, on fait comment? Eh ben, on split. On peut splitter en deux les tiges. Pour que d'un côté, 50% des tiges partent comme elles sont et 50% construisent des vis. Possible ça ou pas? Attends, quoi? Bah, disons que là, ce qu'on vient de faire, ça sert à rien. Parce qu'en fait, pour construire des. Là, annule ce que tu viens de faire. Oublie ce truc là. Parce qu'en fait, il nous faut. C'est pas à partir des lingots de fer qu'on peut faire des vis, c'est à partir des tiges. D'accord. Donc ça, je déconstruis. Hop. Et ça, tu peux. Annule le tapis. Je refais comme avant. Ouais, tu peux annuler le splitter aussi. Je vais rapprocher la. Le constructeur, peut-être. Donc là, maintenant, ce que je veux savoir, c'est. Est-ce qu'on peut. Splitter en deux la production des tiges. Attends. Je sais pas si tu vois. Je finis ça. Fais ton truc après, je t'explique. Constructeur. Fais gaffe, c'est pas dans le bon sens. Oh oui. Ah putain, pas du tout dans le bon sens. Rien. Ok. Non. Bon. Oui. Tourne encore d'un cran. Non, dans l'autre sens. Oui, c'est bien. Genre ça, c'est en face. Ouais, bof. Bof. Vite fait. Hein. De toute façon. Ok. Bien, c'est plus propre. Il y a une machine qui est pas en route là. Ah oui, il faut la régler. Ça faisait des.
des tiges ça? Attends. Non, ça faisait des plaques. Ça faisait des plaques. Ok, normalement. Quoi? J'entends qu'elle nous sorte des plaques. Ah, no power, faut que je la relie, putain. C'est bon. Ok, donc maintenant, là-bas. Attends, t'es faut où? Que tu fasses. Ouais. Faut que tu splits la production des tiges pour que ça se barre d'un côté pour produire des vis. D'accord. Ok. Okay. Le constructeur, je le fais où? Ici? Fais-le, ouais, juste là, ouais. Ouais. C'est bon. Là? Ouais. Ok, celui-là fera des vis. Et on devrait plus être emmerdé pour faire des plaques de métal renforcé maintenant. Yes. D'ailleurs, je viens de penser que c'est ouf que ces jeux, il les fait en coopération. C'est très bien. C'est trop bien. Et c'est fait. Parce que ça aurait pu être grave un jeu solo. Attends. Ça a de la c'est gueule. Pas fait. Faut l'alimenter ça. Et puis faut surtout que ça ressorte sur un tapis. Ouais. Attends, pour l'alimentation, ça c'est plein. Celui-là il est plein. On va se refaire un poteau. On va se refaire un poteau pour que ce soit propre. Ouais, sauf que. Faut le relier tout là-bas. Ouais. Ce serait bien qu'on puisse construire une échelle ici. Un escalier, un truc, on doit pouvoir non? Je vais aller regarder. Pour éviter de remonter avant le tour. Pour remonter ouais, c'est chiant. On va se refaire un poteau. Mur à convoyeur, non? Pas mur à convoyeur. Il y a des escaliers mais est-ce que c'est ça? Il y a des rampes. Et des... ouais. Ah mais putain, genre là. Ah genre là c'est full. Donc faut que je refasse un... un oui, brûleur de rampes. Biomasse. Shit. Casse un fil, quoi. Ah non, c'est bon, je crois que j'ai compris ce que vous me dites. C'est pas très compliqué en fait. Oui, d'accord. bobines, 100 de tiges, 100 de plaques. Ouais, bah on va voir si ça sert bien ce truc là. C'est ça, oui, c'est beaucoup mieux, non? Oui. Sorry. Ouais. Allez, encore deux. Putain, c'est pratique, hein. Je peux te dire que là je vais avoir l'amélioration parce que tout est relié au container sans avoir baladé mon petit cul. Ah d'ailleurs, je vais le relier au container, le... les vis. Et voilà, c'est bon. No power, ah oui, normal. To ensure optimal use of space, navigation and tidiness, R&D have developed voilà. Stairs and conveyor walls. Et les vis, je vais les mettre dans le même container, hein, je pense, que... Ok, maintenant du coup j'ai l'amélioration pour faire les escaliers. Il me faut du béton et des plaques de fer. Une ressource, un container. Étant donné qu'on a tout foutu ensemble... Ah, les escaliers, il me faut une base, je suppose, pour pouvoir les construire. Oui, c'est vrai qu'à la fin, on devrait quand même tout séparer, mais... Ouais, à la fin, mais là, pour l'instant, crois-moi que c'est pratique. Pour l'instant, c'est ok. Et je suppose que quand un conteneur est plein, si on construit un autre conteneur à la suite et qu'on l'achemine, ça va automatiquement remplir le nouveau. Ah ouais,
Ouais, je pense. Ainsi de suite. Je dois placer une fondation au sol avant. Ouais, c'est ce que je me disais. Donc je vais faire une fondation. Alors, par où on pourrait monter pour que ce soit plus pratique? Par là. Ouais. Voilà, je vais y réfléchir à ce que vous dites là. L'escalier, ça va être chiant. C'est joli, mais ça va être chiant. Autant faire une rampe. Les vis, c'est bon. Bon, c'est bon, maintenant on pourra monter par là. Yeah, bon, yes. J'aurais pu même faire plus haut. Ce sera moins esthétique, mais bon. C'est vrai que c'est frustrant. C'est beau et ça s'arrête. Ah non, c'est bien. Voilà, c'est bon. Pas mal ça. Ok, bon. Eh ben, ça bouge bien cette histoire. Ouais. À la longue, faudra que je sépare tout ça, mais. Pourquoi tu veux séparer pour faire des conteneurs différents? Ouais, et puis en plus, apparemment, les tapis, ça limite. Ah, genre ça ralentit la production. Ça ralentit la production parce que ça peut pas prendre assez, apparemment. Enfin, tout groupé ensemble, il peut pas tout prendre, je crois. Mais bon. Ok. Ben, pour l'instant ça bouge bien quand même. Je vais aller voir ce que ça donne là-bas. Combien de ressources ça a fait. Ça va pas hyper vite, mais c'est quand même vachement pratique que tout soit centralisé. Ah ouais, c'est pas foufou. Automatiquement. C'est pas foufou, mais ça va, bon. Ouais. Ouais, bon, ça va. Non, en vrai ça va bien même. Ouais, ça va. Carapace extraterrestre. Oui. Les tiges sont les mêmes que les vis. Ah mais grave. Grave. Parce que là j'en ai... Quoi? En fait il y a un tapis pour 3 ressources et un tapis pour une seule ressource, du coup je vais faire 2 et 2. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux en fait, ouais. Ouais. Alors, je vais regarder du coup maintenant pour les paliers. Achever la phase 1 de l'ascenseur orbital. Qu'est-ce qu'ils entendent par la phase 1? Ils attendent le palier 1? Bon, on va voir si ça marche bien. 250. Attends. Attends, comment je vais faire ça? Mon cerveau est mort. Mon cerveau est malade. Ok. Non, bah ça marche plutôt bien. En vrai, on peut faire les améliorations assez rapidement grâce à ce système. Contrôle là, voilà. Mais c'est vrai que ça pourrait aller plus vite au niveau des acheminements des ressources.
Ouais. J'ai l'impression que c'est quand même vachement moyen de brider. C'est mieux qu'avant. Par la vitesse du tapis. Ou alors faudrait que le tapis aille plus vite. Si on peut l'améliorer comme ça, ce serait pas mal aussi dans ce sens-là. Le sens ? Ah, j'ai mal fait le sens. Quoi ? Qu'est-ce qu'il me veut là ? Ah, chier. Attends, mais quoi ? Ah, chier, putain, sa mère. Oh, pire, je vais voler sur le tapis. Hein. Voilà. Bon, vous avez rien vu ici, hein. Ça, c'est pas grave. Milestone reached. Vous avez rien additional vu. Storage options have been provided. Nouveau bâtiment. R&D inflated your pocket dimension and developed a personal storage box accessible in the build menu. Voilà. Et bah c'est mieux. Ça fait 2 et 2, ce sera plus. Ce sera mieux. C'est pas joli. Oui, bah ça passe dans le caillou, voilà, c'est tout. Mais en même temps, on peut pas faire les groupeurs et les séparateurs, on peut pas les mettre sur des poteaux, non? Genre si je fais ça... Pourquoi la clé ça bouge pas? Ah t'as séparé pour qu'il y ait que les bobines et les plaques sur un seul tapis et sur l'autre... Ouais. Les tiges là, ok. Ouais, du coup ce sera en deux containers, ouais. D'ailleurs, je vais regrouper. secondes. Ouais, ça va plutôt vite. Attends, par contre, ça fait beaucoup plus de vis que de tiges. Ouais, mais c'est normal parce qu'on utilise les tiges pour faire des vis. Ah, c'est vrai qu'il y a l'ascenseur orbital maintenant. Ah. Transiter des ressources pour terminer le projet assemblage. Achever des phases ici vous permet de débloquer des jalons palais supérieurs dans le hub. Faut que je fasse une usine sur le calcaire du coup. Oui, parce qu'on a besoin de calcaire. Ouais, de ouf. On a besoin de 500 de béton là. De ouf. Ouais. Ouais, scan un truc de calcaire. Ah, je suis dessus là. Mais ce serait pas le retour des putains de plaques de fer renforcées? Les salopes! Oui, mais du coup, grâce à ce nouveau système. Ah, ça va, c'est facile à faire. Bon, j'ai fait tout le palier 1 maintenant. Il manque le palier 2. Bah du coup je vais te laisser les ressources pour que tu puisses te faire. Ah ça va j'ai... Ok, tu n'as pas besoin de leur dire. Non mais en vrai, putain, l'usine de calcaire, je viens de la one shot. On a tellement de ressources en fait que je viens de la... Elle est finie presque. Oh putain par contre, mec, ça va pas vite pour... Ou alors t'as tout pris, je sais pas. Je viens de prendre beaucoup. Il faut 300 tiges. Ah. 300 plaques de métal. Par contre 300 tiges, j'en ai pas pris autant, j'en ai pris 40. Ça va pas si vite non plus. Attends, je finis et je t'en donne ouais, masse. Ouais, en même temps, il y a une tige tous les je sais pas combien de mètres. Ouais, ouais, parce qu'on les utilise pour faire les vis. Du coup, ça... Ah ouais. Ça mais même de toute façon, le rendement des tiges, il est pas ouf. Bah, il va falloir refaire une usine quelque part, je pense. Pas de fonderie. Ah ouais, vous avez raison. Vous avez raison. De quoi? Ah, pas besoin de fonderie pour le calcaire. Ah oh, cool. Ah ouais, c'est pas ouf les ressources là, ça va pas vite. Va falloir qu'on trouve des solutions en fait.
on devient gourmand hein, là. Béton et bah directement directement là-bas. Hein. Trois générateurs, c'est suffisant. Pour l'instant. Bah peut-être pas parce que là je vais. En tout cas, le carburant, ça carie parce que c'est presque inépuisable. Enfin, c'est très lent pour l'épuiser. Boîte de stockage. Ah, on peut faire des petites boîtes de stockage maintenant. Putain, je croyais que c'était moi qui étais en train de construire un truc. Je croyais que je buguais. Qu'est-ce que je fais? Ah, j'aime pas quand c'est tout est splitté. J'aime bien quand tout est dans un seul conteneur. Ouais, c'est ce qui. En fait, c'est ce qui conseillait d'avoir un truc par. Mais ça, c'est pour les grosses productions, quoi. Ouais, c'est quand t'as un stade où c'est énorme. Là, pour l'instant, un seul conteneur, on galère à le remplir. Même quand il y a 4 ressources différentes dedans. Empile les conteneurs, on peut. Pétale de fer. Oh, sa mère, on peut. Ah, ça, c'est pratique, par contre. C'est incroyable ça. C'est trop bien. Merde. Comment je le mets en raccourci 3 là? Il est avant, il y était. Lié la barre de raccourci. Ah, je l'ai fait là. Ah oui, d'accord, c'est simple en fait. Il est là-bas, calcaire. Ouais. Ah, je l'ai pas encore alimenté. Ouais, t'as fait un poteau électrique, pas encore. Pas encore. Ah, c'est bien, c'est malin, ils ont fait une échelle sur les conteneurs automatiques. C'est bien. Par contre, ouais, ça va pas assez vite, bordel de merde. Faut avoir payé des ingénieurs qui sont supérieurs à moi, là. Ah, et en plus, ils me volent mes tiges de fer régulièrement, hein. Comment ça, trop coûteux? Quoi? Ah, j'ai pas assez de câbles. Waouh. Ouais, c'est vrai que le câble, on l'automatise pas, mais c'est pas grave. Ah, j'avoue, le câble, ce serait pas mal. Bon, on là, par pas... exemple, c'est con, mais j'en ai besoin de 100. Ah ouais. Ah, je peux en faire 200, mais genre, ouais, c'est à la main quoi. Ouais, bah si tu peux en mettre 100 derrière là, ce serait pas mal. On n'utilise pas les balises du coup. Non, mais quand on va faire d'autres usines un peu plus loin, ce serait pas mal. Ça va nous servir à quoi les balises? À repérer des ressources? C'est juste pour pas oublier où sont les choses, mais je sais pas si tu peux les nommer ou si tu peux. Ah ok. Putain, c'est vraiment quand t'as atteint un stade où t'es étalé sur toute la galaxie quoi. Mets les vis en pause. Pourquoi? Parce ah qu'on oui, a... peut-être. Parce qu'on a pas assez de tiges. Enfin, de. On ouais, ça augmentera peut-être le rendement des tiges, mais c'est pas énorme. Mais du coup, ça va quand mais même. Du coup, le splitter, il va quand même là-bas, quoi. Ouais, c'est ça le truc. On peut pas annuler la direction d'un splitter. Non, je peux juste retirer le. Bah au final, tu sais quoi, au pire, non.
Mets pas en pause de constructeur. Dis juste au constructeur de construire encore des tiges. Ah bah oui. Ouais. C'est bon. Ouais, voilà, ça reviendra au même. Comme ça, si jamais on a besoin de ressources, on changera. Pourquoi stand-by ? Ah oui. Ouais, du coup, ça fait tige et tige, quoi. Du coup, ça fait rien. Par contre, je vois aucune tige qui sort d'ici. Ouais, parce que ça fait tige et du coup, il bug. Ah, il bug. Du coup, non, il n'y a pas de moyen de désactiver ce split en fait. Non. C'est con, il devrait pouvoir faire en sorte de pouvoir le désactiver d'un côté. C'est peut-être prévu pour plus tard. C'est vrai que ce serait malin de pouvoir désactiver un côté. Ah, c'est dommage ça. On peut faire des plaques à la place. Non, parce que c'est avec des tiges, non, c'est mort. Ah, il faut des tiges. Le split s'arrête quand ça bouge d'un côté. Ok, donc si. Si j'arrête le constructeur, ça va bloquer. Enfin, ça va stacker. Bah, ça va stacker quoi. Ça va stacker et en gros. Et une fois qu'il a fini son stack, il se passe quoi ? Quand il a fini son stack, ça va bloquer. Et du coup, tout passera par le devant. Passera plus par ici. Genre là ça se bloque et je pense que quand là c'est bloqué ça va tout passer. Alors on va voir au fur et à mesure hein. Quel suspense. C'est insoutenable. Quelqu'un a raison. Effectivement, l'usine plaque de fer, on peut la changer en usine barre de fer pour l'instant. C'est vrai. Mais on a besoin de plaques aussi, donc ça m'arrange pas. Moi, j'ai besoin de 300 de plaques, et donc non. Pas besoin encore. Ouais, bah ouais, je suppose que... Ouais, j'ai pas encore assez de plaques. C'est un peu mieux là, ouais, je crois que tout passe par là, du coup. Bah, je vais te dire ça bientôt, s'il y a le même espacement entre les... Une deuxième foreuse. Il y a la place. Bah, c'est vrai qu'on pourra faire une deuxième foreuse, pour faire beaucoup plus de rendement. Ah oui, par contre, oui, c'est vrai que si on fait notre foreuse... On multiplie les foreuses partout. En fait, on peut en faire combien des foreuses? Je sais pas, ça dépend de la place, j'imagine. Ah, parce que oui, si on augmente... Si on fait notre foreuse, on augmente le rendement. On évite de splitter. Bah ouais, je suppose. Il se passe quoi ici? Attends. No power. Parce que j'ai pas fini en fait. Ah ouais, mais d'accord. Bah fais des poteaux les uns côté des autres. C'est bon. Ouais. Un par filon. On peut faire qu'une. C'est les fonderies qu'il faut en plus. Ah ouais. Putain, je sais pas là, vous me dites des choses différentes là, j'ai un petit doute. On pourra pas mettre plus d'une foreuse. Par contre, on peut faire une autre fonderie. Est-ce que c'est worse? Est-ce que ça envoie? Est-ce que ça? Est-ce que le? Est-ce que la foreuse envoie assez de minerais de fer pour faire deux fonderies quoi? C'est pas fou. T'es sûr que la foreuse elle est aussi productive que ça et que c'est la fonderie qui est trop lente? Bah ouais, je suis pas sûr. En fait, si on trouve lequel est le plus lent des deux, on saura lequel faire. Faut juste savoir si c'est la foreuse qui va plus vite que la fonderie ou la fonderie qui va plus vite que la foreuse. Ça m'arrangerait que ce soit la foreuse qui aille vite. L'extracteur fait 30 minerais de fer par minute.
La fonderie fait 30 lingots de fer par minute. Et ça en utilise 30 par minute. Non bah c'est bien calé en fait. Ça utilise tout ce que... La fonderie utilise tout ce qu'on lui donne en fait. Donc si je mets une autre fonderie à côté, ça va juste diviser quoi. C'est ok. Donc du coup faut tout refaire. C'est le constructeur. Vous parlez du constructeur. Constructeur, il utilise 30 par minute. Et pour le constructeur de bar. Constructeur, toujours 30 minutes de fer par minute. La fonderie à 30. Ah, et c'est 15 par minute. D'accord. Donc pour... Donc là, là on peut faire, voilà, c'est pour ça, c'est ici qu'on peut faire deux constructeurs. C'est juste là. Par contre, vraiment, ça va, le calcaire va pas vite du tout. Pourtant, il m'en faut 500 de béton et je peux te dire que là, on va être... Ça fait chier. Ouais, c'est hyper lent. Alors attends, il faut que vous mettiez l'électrolimace verte dans le module de recherche. Mais on l'a pas l'électrolimace. Tu l'as toi? Non. Ah ouais, ah ok, c'est un enchaînement qui fait qu'on va augmenter la vitesse de production. Mais il faut qu'on l'ait. Et pour l'avoir, bah faut qu'on la trouve, je suppose. L'électrolimace, ça doit être un truc vert phosphorescent. J'en ai vu une sur un rocher tout à l'heure. Ah putain, mais si c'est celle-là, j'aimerais bien, mais je peux pas y accéder. Je vais essayer de sauter. Oui. Il charge des limaces. Oh, je l'ai. Je l'ai, mec. Ah. Apparemment, à partir de là, ça va carry. Je vais faire un module de recherche pour la voir et je crois que ça va être vénère. À partir d'une limace? Qu'est-ce qu'elle donne, cette limace? Je pense beaucoup d'énergie. R&D wishes me to tell you these colored petals are useful for two things, dating and creating color particles. Ok, je la recherche. Mandatory reminder that you are under 24/7 surveillance. The derived blueprint ah bah oui, je l'avais déjà. J'ai une électrolimace dedans. Ok. Wouah, c'est chaud ce que je viens de faire là, je pense. Ça, ça marche. Les machines overclockées consomment plus d'énergie, donc faites gaffe. Voilà. C'est une vanne ou parce que c'est possible? Je sais c'est pas. Possible, c'est pas grave. Ah putain, c'est trop. Non. Bon, j'avais la flemme, mais. Les limaces, tu peux les utiliser pour crafter des mini boosters que tu mets dans les machines. Et tu peux augmenter la consommation et booster les machines, donc produire plus vite. Mais consommer plus, d'accord. Bah, c'est pas grave, c'est ce qu'on veut. On s'en fout de consommer plus, j'ai du biocarburant à plus savoir qu'en faire. Putain, c'est toujours moyen. Quoi, t'as essayé d'augmenter le rendement? Ouais, mais j'ai pas de place, j'essaie de faire des trucs où j'ai pas de place. Ça va me saouler, je vais tout détruire là. Tellement, toujours 300 de bobines. Putain! 300 de tirs. Sa mère.
Ah bah les bobines c'est bon. Et les tiges, c'est bientôt bon. Bon, nique sa mère. Voilà, bon, chier. Une 50. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui dit un truc pas con, mais ça, ce sera pour l'optimisation plus tard. Il dit à la fin de chaque constructeur, tu mets un stockage. Ouais. Et ensuite, le stockage, tu le relis à un stockage commun. Ce qui fait que même quand ce sera plein, ce sera pas la merde parce que du coup, ça se stockera. En fait, ainsi de suite, toi tu peux en mettre sur, je pense, 3 à la suite, ça se rend parano, mais. Ce qui fait qu'en fait, jamais tu peux te retrouver dans la merde en disant ah merde, c'est full. Tu vois ? Ouais, je vois. Mais ça sera pour plus tard. T'es en train de faire quoi là ? Je fais 2 constructeurs. Pour doubler la production. Sans avoir rajouté une nouvelle foreuse ? Ouais. Pas besoin ? Non, non. Ça c'est quoi ? C'est. Ça, ça fait les... Qu'est-ce que je voulais faire? Attendez, je suis complètement perdu. Ah oui, on faisait des vis. Tu m'as arrêté mes tiges. C'est là qu'on faisait des vis. Ouais, je vais refaire tes tiges. Bah à la limite, je vais les faire à la main, mais... Elles sont où les foreuses manuelles? Tu les as achetées? Bah j'ai été obligé, ouais, je crois. Pour avoir de la place pour le truc, je les avais tège. Oh, mais... c'est bah, pratique ça donne. Je peux les remettre, j'en ai plein là, je pense. Mais. Mais en quelques-unes, on sait jamais, tu sais. Des fois, attends, je les est-ce que j'en ai encore. Ah oui, j'en ai. Juste 2, ça suffit. T'as pas de tige en réserve? Genre si, 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 si. Oh! Et ben voilà! Oh, j'ai un problème avec l'essence, putain! Ok, c'est parti! Milestone reached. Assembleuse. Transforme 2 pièces pour en créer une nouvelle. Je sais pas ce que ça fait, mais c'est stylé. C'est un nouveau bâtiment. Bon, pour l'ascenseur orbital, on repassera. Parce que putain, les 500 de béton qu'il faut là, nom de Dieu. Oh ouais, oh là là. C'est pas pour ce soir. Alors. Il va falloir alimenter tout ça. Ah, j'ai plus de tiges de fer du coup. The crystals on this slug can be harvested and converted into a power shard that functions with current fixit technology. Ah, je me suis fait baiser, j'ai plus de tiges de fer. Performing over 100% capacity if infused. The derived blueprint is now accessible in hub tier 1. Le hub tier. Ah oh non, j'ai plus de... Et ouais, c'est ça, surcadencé la... Ah putain, c'est vrai, overclock building, trop stylé, ok. C'est clairement ce que je vais faire. Je vais faire en sorte de pouvoir rebooster les usines. Merde. 150. Alors. Et 13 des tiges ? Non, j'ai plus rien. Je t'ai tout donné. Putain de. Ah, je vois plus le chat. Attendez. Oh non, comment faire ?
C'est bon, je vous vois. Alors. Moi, je vais faire les tiges à la main. L'électricité, ça me casse les couilles. C'est scandaleux, je sais même plus quoi faire là. Ça, je sais pas. Oh, je sais même plus, je suis perdu dans mon électricité là. Faut un scanner dans l'atelier d'équipement pour trouver encore plus de limaces. Très bien. Ça a l'air important les limaces. Bah c'est pour overclocker les machines pour que ça aille plus vite. Ah ouais, go. Vous les avez les 500 de béton? Quoi? N'importe quoi. Vous les avez les 500 de béton? Ah mais où ça on les a les 500 de béton? Je sais pas, j'ai pas vu le conteneur mais... Bah non mais j'ai regardé le conteneur tout à l'heure, y'a pas du tout 500 de béton. Voyons voir. Non, 107. Bah qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, j'ai pas checké ce que j'ai fait. Déjà je suis perdu sur ce que je voulais faire. Ça fait des vis mais... Standby. On a complètement oublié l'idée qu'il y avait des véhicules. C'est vrai. Attends. Attends, je sais plus ce que je voulais faire, je suis perdu. Là, je fais quoi? Je suis du père. Là, je faisais juste des tiges en fait. Et là. Bon là du coup. Donc c'est bon là. C'est tout bon. On a deux constructeurs. Ils ont fumé. Ça fait full tige. Ouais c'est bon. Et on n'a pas du tout supprimé le rendement d'avant. Donc c'est bon. Nickel. Bah c'est un peu mieux déjà, ça fera plus de tiges. Putain, pour le béton, hein, je peux rien faire de mieux, je pense. C'est comme ça. Booster les machines. Ouais. C'est comme ça. Ça fait 45 calcaires par minute. Ah ouais, ça fait 15 bétons par minute, ce qui est pas fou. Hein. Putain. C'est long. Ah mais des vis, on en veut quand même, au bout d'un moment. On a beaucoup de vis, mais je veux dire... Ok, je vais faire les constructeurs pour le béton, vous avez raison. Mais bon, des vis, il en faut quand même, enfin je veux dire... Là pour l'instant j'ai pas besoin, mais je sens que des fois j'ai besoin de vis quand même. Ouais. Je vais pas non plus faire full tige et... Je peux pas faire l'ascenseur les gars, il me faut 500 de béton. Les 500 de béton, je les aurai pas avant en 2 heures. Alors, je vais faire des constructeurs pour avoir plein de béton. Mais pour ça, il faut que je... Ah regarde, j'ai fait une assembleuse. Transforme deux pièces pour en créer une nouvelle. Ah non, je suis con, j'aurais pas dû faire ça. Une assembleuse, ah oui bah oui, c'était le nouveau bâtiment là. Transforme deux pièces pour en créer une nouvelle. Bah c'est exactement ce qu'on cherchait à faire avec le fil et tout. Quand on fait passer une machine par une autre et tout. Ah ouais. Bah je pense que c'est ça.
Automatisation possible de l'envoi de pièces avec un conveyeur accordé à l'entrée. Les pièces produites peuvent être extraites. Oui, non, mais je pense que c'est ça. Pour un craft, t'as deux ressources. Ouais, c'est voilà. Quand on veut construire des vis, par exemple, c'est exactement ce qu'il nous faut. Oh putain. Est-ce que le brûleur de biomasse, on en a besoin? Ah mais non, c'est un truc normal, le brûleur de biomasse. Ouais. Je cherche le truc pour booster les machines. Trop coûteux, ah bon. Salope. Ah, deux ressources pour la fabrication directe, pas les étapes. Ah, donc d'accord, oui. Voilà, et si je veux surcadencer, j'ai besoin de quoi? Parce que là, je peux surcadencer la machine, par exemple, mais ça me dit pas... C'est dans ta table de craft basique. Ok. Je vais regarder ça. Éclat de charge. Et ben voilà, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre une électrolimace. Ouais, il faut qu'on fasse un scanner visiblement pour traquer les limaces. Ok. C'est d'accord, vous m'avez dit que je pouvais faire 3 constructeurs, hein. Bien ça. Que ça passe, quoi. Niveau du rendement. Oh non. Quoi? Oh non. Non. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Mais putain, j'ai tout. Putain. Ça passe pas, je peux pas faire. Non, là ça passe pas là. Le convoyeur il veut. T'as pas assez de place? Ah putain! Tu peux pas juste pousser le truc là? Ta! 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 Ah ouais, voilà. Ta! Fais chier! Pute! Bon. Cette fois-ci on va faire les choses étape par étape pour éviter de se faire piéger comme une merde. Moi à la base, ce que je voulais savoir c'était si je dois reboost, si je dois surcadencer une machine, c'est mieux que ce soit quoi? De quoi on a besoin? C'est quoi qui est trop lent et qui devrait aller plus vite? C'est toujours les tiges, non? Non, c'est là en l'occurrence, c'est plutôt le béton qu'il me faut. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Mais... C'est la fonderie, le constructeur? Je sais pas, le chat va savoir ce qui vaut, ce qui est plus utile de mauvais constructeur. Sens. Scanner d'objets, ok. Ah mais je suis un connard, attendez, c'est ça? Oh je suis un connard, bon ça m'énerve. Je me déteste. Je me déteste, yes. Voilà. Plaque renforcée. T'as raison. Ah, on se déteste. Quatre plaques renforcées.
Et moi aussi je suis éclaté, ça me fait chier. Putain. 3 heures que j'essaie de faire un truc simple. Et voilà, j'ai fait un scanner renforcé. Moi pendant ça je m'amuse. Moi je m'amuse pas mais j'ai bientôt fini. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi à chaque fois je... Eh y'a un problème de perspective aussi hein. Vas-y! Vas-y, attends. Attends, c'est quoi? Ça commence à me casser les couilles. Je veux juste faire un truc propre. Genre là c'est pas droit là. Je fais contrôle putain, si je fais contrôle tu fais bien mes trucs putain. Arrête de coller les trucs, oh mais j'aime bien quand c'est collé. Ah. Ça je peux les coller, c'est bon, ça vous embête pas. C'est beau quand c'est collé comme ça, putain. Ah, je suis deg. Attendez, à tous les coups, j'ai pas checké l'essence là. J'ai dû faire une connerie avec mes sens. Non, c'est bon. Tout se passe bien. C'est bon. On est content. Voilà. Bon. Maintenant, on va faire. Un groupeur. Bah il est censé avoir une électronimasse ici. What? Elle est quand même pas dans l'arbre cette conne. Bon, il y a qu'un seul moyen de savoir. Je crois qu'il faut que j'aille me coucher. J'aime pas là, c'est pas droit, ça me... Ah. Oh non merde, je crois qu'il y en a une qui est en haut. Oh, j'en ai trouvé une. C'est dommage que tu t'embêtes parce que moi c'est une véritable chasse au trésor, tu sais. J'ai un scanner et je dois trouver des trucs rares. Ça a l'air bien ta version du jeu là. J'aime bien. Peut-être qu'un jour je le ferai. Allez, à la chasse aux électrodimas. Ah. Quoi? Quoi? Bah alors. Pourquoi? Ah. Putain ta mère! Ah! Oh là-haut! Oh! Putain! Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? La climatique! Ah pourquoi? Ah pourquoi? Bah ouais, y'a plus assez d'énergie! Quoi? Tu savais qu'il y avait des mines? Oh c'est bien ça! Je suis dans une grotte? J'aime bien ça! Ah d'ailleurs je me disais, la map elle est générée ou non? Ah je sais pas. Je pense pas parce qu'il y a des trucs qui sont placés quand même. C'est une bonne question. Du coup je crois que je viens de trouver un truc rare. Un truc rare. Handle carefully. Further analysis required to determine application.
Et hop, une autre électrolimace. Ok. Donc, effectivement, la map est pas générée aléatoirement, mais apparemment, ils ont beaucoup bossé dessus. Donc, en clair, ça veut dire. C'est pas grave, puisque elle est vachement bien. Ok. Ouais, bah, du coup, je mettrais 2 sur 20 ce jeu, en fait. Ouais, ça suffira amplement, je pense. Et 20, ça en fait de l'électrolimace. J'ai envie de sauter, mais je vais mourir. Donc pour ça, manger d'abord de délicieuses baies des bois. Des délicieuses baies des bois. Cynthia. Cynthia, pourquoi? Pourquoi? Comment il s'est redémarré tout seul le brûleur? J'ai pas remis le. Bon, t'as dû remettre le jus. Chelou. Donc, je te disais, puisque je répète. Ouais. Si je veux augmenter la productivité du béton, il vaut mieux du coup que je mette le boost dans le constructeur ou dans le forage ou dans autre chose. Je sais pas, ça demande des mathématiques et mon cerveau est malade. Mince. Le chat, en gros, ça dépend combien tu veux l'avoir cloqué, mais... Je veux le booster, je veux qu'il dorme plus la nuit. Mets-le dans la foreuse, comme ça, je peux peut-être faire un quatrième constructeur, tu vois, on peut aller jusqu'à jusque-là. Attends, mais les gens, ils sont là en mode... Dans les deux, ah ouais, mais bon, ok, je vais mettre dans les deux. Vous me faites lacrymatiquer, vous. Ok, c'est parti. On va voir cloquer cette Attends, machine. Mais là, c'est insane le nombre de béton qui sort là. C'est fou, non? C'est bien. Oh, ça, elle commence à être énervée. Non, mais déjà 3. En plus, non, mais je pense que le béton là, 3, on est bien. Il y en a masse qui arrive. Là, les 500, tu vas les manger. Hein. C'est opti. Hein. Mec, je l'ai. Regarde comment c'est énervé. Regarde comment je l'ai énervé. Attends, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Bah au calcaire. Ah tu l'as overclock là. Ouais mais bah, regarde Le flux Ah oui 36,9 au lieu de 30. Cadence 123%. Tu vas la casser ma hein. Tu vas la casser ma machine. T'es en train d'augmenter. Tu vas casser ma machine. Oh mec! Oh putain! Et voilà, t'as pété! Non. T'as pété la machine! Mais il faut que tu donnes plus de jus là! Mais y'a pas de jus, putain! Bah, qu'est-ce qu'on manque de quoi? Bah, je vois même pas comment. Là, je peux pas l'alimenter plus! Non, mais Osef, de toute façon, ça va pas augmenter la production parce que les constructeurs peuvent pas suivre, je pense. Tu rigoles ou quoi? J'ai surcadencé les constructeurs! Putain, mais il m'a tout baisé en fait! Genre. Mais regarde, ça insta. Vas-y, bah arrête. Oui. T'as insta kill. Mais comment on fait pour augmenter la l'énergie? Tu veux vraiment que je refasse un deuxième? Mais je vais refaire un deuxième brûleur pour ça? Alors que ça va rien changer au niveau de la production normalement, je pense. Bah si, ça va le chose. C'est ouf ou quoi? Ouais, mais on a que 3 constructeurs. Faudrait que j'en fasse encore un. Mais non, si je booste le forage plus le constructeur, là je vais booster les constructeurs, ah, donc les constructeurs ouais. Ils vont plus vite aussi. Ouais, mais les tapis après, est-ce qu'ils suivent? Mais oui, ça va suivre. Mets-moi un brûleur de graisse. Putain, on dirait un industriel fou qui comprend pas tout, mais qui dit « Allez, mettez-moi plus, là !» Mais non, mais au moins ça sert maintenant que j'ai fait des... Je vais t'effécher à prendre du biocarburant. Bon, au moins il sert à quelque chose. C'est sûr. Là, c'est vrai que ça consomme bien par contre. Hein. C'est sûr. Ah, une deuxième limace dans le générateur. Ok. C'est bon, j'ai mis une limace dans le générateur, ça devrait aller. Là, c'est bon, normalement c'est alimenté comme Jaja. Par contre, rassurez-moi, les limaces c'est illimité. Enfin, elles vont pas.
Elles vont pas m'enculer. J'ai surcadencé le brûleur aussi, donc... Attendez, ça va où ça? C'est pas inconsommable, je veux dire, les limaces. Ok, c'est... Ça respawn pas, non? C'est limité? Oui, mais c'est limité, mais je veux dire, c'est limité une fois que j'ai mis... Ah, qu'est-ce qui se passe? Attends, mais j'ai fait quoi, là? Pourquoi? C'est infini. Ok, c'est bon. C'est bon là. Bah, remets en route le bousin, on va voir. Terra, il va faire juste une entreprise de béton. On va supprimer tout le reste, on va faire que du béton. Je veux travailler dans le BTP. Et du coup, comment on fait pour savoir si c'est bon? Si ça pète pas, c'est que c'est bon. C'est bon là? Ouais ouais, ça, là ça marche là. Et ben voilà. Ah, regardez-moi ça, le nombre de béton qui sort là. Ça spam. Ouais. Les gens disent de relier le réseau câble en un seul. C'est ce que t'as fait, non? Ouais, ça va là. Ouais, bah ouais. Je suis déçu, je veux plus de béton. Putain, il est malade. Bah, ça va plus vite que tout à l'heure, mais... Mec, il faut que t'aies un scanner et que tu chopes des limaces. Avec ça, on va booster la production. Attends. Quoi? La climatique, quoi? Ouais, je pourrais pas faire une deuxième foreuse. 45 par minute. Elle est vénère. Quoi? On en fait 45 par minute? Du calcaire. On fait 45 calcaire par minute? Ouais, c'est à fond là. Ok. Bon, ça me va comme rondement. C'est bon, j'arrête de me plaindre. Putain, on peut la surcadencer encore plus. Oui, il y a 3 niveaux d'overclock. Mais pour ça, il faut des limaces. Du coup, 45 calcaire par minute. On va utiliser 15. 15 à chaque fois, c'est bon. Ah, 15, 22. Oh là, 37, 5. Ah ouais, non. Tu mesures ta tension? Là, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il y a qui est pas bon? La foreuse, elle envoie pas assez pour les 3. Ah bah, faut la booster pour ça. Pour les 3 constructeurs. Oui. Bouge pas. Attends, c'est à dire qu'il y a... Ouais, il y en a une que t'as pas overclocké. T'as overclocké 2 mais pas... Ouais, j'avais pas assez de limaces. Mais attends, j'ai... Je vais overclocker la foreuse. C'est elle qui a besoin d'avoir plus de jus? Pour que ça aille plus vite? C'est la foreuse, ouais, je crois, mais attends. Je l'ai mise à 200%. Ok, du coup là celle-ci est repartie. Mais attends, ouais non, bof. Bon, faut que j'aille me coucher moi quand même. 60, ouais on va arrêter là. 60 par minute, pas mal. Ça a augmenté? Hein, ça a là on est bien, là on est bien, c'est bon. Les constructeurs en prennent 60 et la foreuse en envoie 60. Bon, on en fait un par seconde du coup. Exactement. Bah là c'est bon. Bientôt la coupure de courant. Ouais, je crois que c'est bon. Non, non, bah il y aurait déjà eu une coupure de courant si il y aurait eu un problème. Et je crois qu'en plus vous m'avez dit que les tapis c'était 60 en gros. Enfin, je sais pas. Bon, après pour moi ça va pas assez vite, mais ok. Un jour, on pourra chasser cet énorme Raymanta qui me fait de l'ombre une fois toutes les 3 quarts d'heure et... Tu sais, elle m'emmerde parce qu'elle me fait de l'ombre, en fait. Ah, les gens disent qu'on pourra améliorer les tapis aussi. Un genre de niveau 2.
Ah ouais, ça c'est bien ça. Ouais. Ça c'est grave bien. Go ascenseur. Non, on va aller se coucher là. Mais c'est quoi des tremplins? Vous propulse dans les airs vers le haut. C'est trop bien. Ah ouais, c'est encore mieux que... C'est mieux que les escaliers. Ouais. Ah oui, c'est pour ça en fait, du coup c'était pas une blague le coussin d'avertissage, c'est pour ça. Bon, le pistolet à couleur, on va attendre. Hein. Ouais, bah putain, y'a pas assez de béton là. Checker ça. Ouais, bon. Mais tu vois, les 500 de béton, ils arrivent pas vite. Pas tant que ça. Bon, si on faisait autre chose en même temps, ça y est. En vrai. Oui, si on ferait quelque chose en même temps, mais là non. Et là, on est focus dessus, c'est pour ça qu'on est frustré. Bon, alors en tout cas, j'aime bien regarder ça là. Ça arrive de tous les côtés. Oh putain, les bobines. On a 1500 et quelques. Ouais, mais tant mieux. Et là, les vis, ça doit être un bordel. Ouais, pareil. En fait, quand ce sera full, il y aura juste à construire d'autres containers à la suite, je suppose. Ouais. Je peux rester à FK toute la nuit, si tu veux. Ça va faire de la ressource. Par contre, comment on save? Comment on sait que ça va sauvegarder? Moi j'ai save là. Je viens de save. Ok, bon, on peut y aller. Et ben, ok, je comprends pourquoi c'est un bon jeu du coup. Ah, c'est comme un jeu mobile, c'est addictif en fait. C'est addictif. Ah putain, il a quand même bientôt les 500. Non, vas-y, non, non, il est tard. Allez, terminado. Oh bah, j'ai même pas eu le choix. Putain. Et voilà. Ah, j'ai... Peut-être le mot de la fin. Ça me fait bizarre de... Ah putain, il était parfait. Merci. Parfait. Oh non, j'ai touché le micro avec ma bouche. Putain, ça me fait bizarre de plus réfléchir au rendement et tout là. Et de plus. Mais c'est bien, on devient des chefs d'entreprise. Waouh. Allez, bah bonne nuit. Voilà, bonne nuit à tous. À mercredi, peut-être sur le même jeu. On sait pas. Peut-être bien. Salut. Au revoir.